Bonjour. Tu es réveillé? Non. Mais je serai quand tu m'auras encore embrassé. Sam, les enfants vont bientôt frapper à la porte. Et à part ça, ma mère doit venir les chercher pour les emmener en camping. Sam. Hello, Mommy. Hello, Daddy. Good morning, Mommy. You're supposed to knock. Go outside, girls. Close the door and knock. Can we come in? No. Sam, Sam. Come on, babies. Come on. Personne ne m'embrasse. Bonjour, toi. Bonjour. Bonjour, papa. Sam, je vais faire le café. Gina, tu viens m'aider à mettre le couvert et les petits pains? Viens vite. Moi, pour le camping. Bonjour, madame Bissell. Il fait beau aujourd'hui. Bonjour, hein? Madame Bissell. Bonjour. Hey, good morning, Harry. How are you? Sam, vous êtes réveillé là-dedans? Ouais. Sam! Quoi? Ah, salut, ça va? Bonjour. Ah, dis donc, je te rapporte ta tondeuse à gazon, je te remercie. Et puis ton canard, il s'est encore sauvé. You know what happened? His duck got stuck in our breakfast nook with no one to talk to but my wife. Ah. I know exactly how it feels, baby. The same thing happened to me once. Hey, Sam, about your lawnmower, very much appreciated if get your cutter blade sharpened by next weekend. Okay, pal? Oui. Tu veux que je te descende en ville? Non, Minnie a dit qu'elle me déposerait, merci. Alors ça va, on se verra tout à l'heure au bureau. Ah. Oui. Et ne partez pas sans chaussettes, le temps pourrait être... T'inquiète pas, maman. Ah. Écoute, Gina... Je te l'ai dit une douzaine de fois, quand tu sors Gretchen pour jouer le matin, remets-la dans son enclos après. Tu m'entends? Allez, oui, non, papa, commence. Je ne le ferai plus. Je oh, mon chéri, j'ai pas le temps de te faire tes œufs. Je m'en occuperai dès que les valises seront faites. Bon. Denise, tiens, va ouvrir à grand-mère, sois gentille. Vite. Oui, j'y vais. Ça fait beaucoup de bagages, rien que pour envoyer deux gosses dans un camp de vacances. Je sais bien, mais c'est la direction qui me l'a demandé. Oh, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, Mimi. Mon Dieu, tu leur fais emporter tout ça en vacances? Ben oui. Bonjour, Sam. Bonjour. Ben, vous n'êtes pas encore habillée? Bonjour, maman. Oh, ce que tu es gentille d'emmener les enfants au camp. Il faut que j'aille à l'aéroport. Bonjour, grand-mère. Prendre... Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu me disais? Oui, il faut que j'aille à l'aéroport pour prendre mon ancienne amie d'école, Jeannette Lagerlof. Elle arrive d'Europe justement ce matin. Ah oui? Bah, et Sam, comment fera-t-il? Je vais le déposer à son bureau et il rentrera avec Harold. Tiens, prends du café. Ah. Alors, les enfants, mangez vos céréales et buvez votre jus de fruits. Sinon, vous n'irez pas en vacances. Oh, Sam en a encore fait, hein? Je crois vraiment que je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi Sam fait des choses aussi ridicules. Ça l'amuse, maman. C'est une raison suffisante. Il construit un grand mobile dans le patio. Où les voisins peuvent le voir. Oh, mais c'est effarant. Vous aimez? Si j'aime. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sculpture de forme libre, comme toutes celles que je fais. C'est une pièce de musée. Quand on a des invités, ils peuvent le voir du living room et le regarder marcher de leur place. Et vous voulez que je le mette en route? Non, merci. Non. Mais c'est le cas de la vieille bicyclette de Gina. Oui, en effet. Et c'est un morceau de la machine à coudre de Minnie. Oui, il faut l'apprécier comme une entité totale. Il ne faut pas juger les pièces séparément. C'est pas destiné à ça. Je crois. Vous voyez, l'intérêt de la sculpture d'objets rencontres, c'est de tirer une beauté, une joie esthétique de l'arrangement d'objets vulgaires en eux-mêmes. Quoi. Sam, si ça fait votre bonheur de bricoler toute cette ferraille, continuez à le faire, sans vous occuper de ce que pensent les gens. Merci. Maman, tu n'as pas fini ton café. Oh, merci, ma chérie. J'étais en train de parler avec Sam de son bric-à-brac. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Sam est tellement adroit de ses mains. J'adore ce qu'il fait. C'est une véritable œuvre d'art. Je ne connais rien aux œuvres d'art. Je connais seulement ce qui elle est. Oh, elle ne le pense pas. Maman, pourquoi dis-tu des choses pareilles? Allez, viens m'aider à préparer les enfants. Fallait le dire avant. Sam, viens
Elles s'en vont. Voilà. Tu es super. Allez, embrasse-moi. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Allez, allez, en voiture. Vous serez bien sage, hein. Vous ferez tout ce que le moniteur dira. Oui, oui, oui. Et surtout, vous bien, parce que ça coûte cher. Attention à ta jambe, toi. Voilà. Au revoir, Edna. Continuez pas trop vite, surtout. Au revoir. Il n'y a rien de tel qu'une vraie grand-mère d'autrefois pour faire passer aux enfants de bons moments. Allez, bon, viens, ma chérie. Il faut que je m'habille, que tu t'habilles. Je vais être en retard. Si tu savais ce que je suis contente à la pensée de revoir Jeannette. Il y a au moins, je ne sais combien d'années que je ne l'ai vue. C'est une amie si gentille. Elle a été élevée en Europe et elle est venue ensuite ici au collège où je l'ai connue. Sam, ça t'ennuierait que je l'amène pour dîner ce soir? Sam, tu as entendu ce que je viens de te dire? Tu te rends compte que je passe par les mêmes embouteillages pour aller faire le même travail chaque jour depuis 6 ans, et c'est pareil pour eux? Chaque matin, nous nous levons, nous prenons le même chemin pour aller au même bureau, nous sommes même tous habillés pareil, en costume gris, chapeau, la chemise réglementaire, la cravate, comme des moutons, quoi. Oh, mais non, Sam, c'est pas vrai. Toi, tu n'es comme personne d'autre. Tu n'as rien du tout d'un mouton. Tu as du caractère. Et je t'aime. Pourquoi est-ce qu'il ne démarre pas? Sam, tu as dit quelque chose? Ah, ça y est. Maintenant, je vais à l'aéroport, chérie. À ce soir. Au revoir, chérie. Sam, il y a quelque chose qui te préoccupe? Non, c'est seulement... Ça me barbe d'aller tous les jours au travail. Et toujours le même boulot et les mêmes gens, les mêmes visages. Et les mêmes cages à mouches communes en guise de bureau. Les mêmes projets imbéciles pour les mêmes publicités imbéciles. Écoute, Sam, souviens-toi que nous avons 2 très jolies petites filles. Et que nous devons leur préparer un avenir. Oui, je le sais bien. Non, je suis simplement dans un genre comme ça. Ça va passer. Au revoir. Au revoir. C'est Harold te raccompagne. Oui, au revoir, chérie. Au revoir. Bonjour, Minnie. Ah, bonjour, Harold. Hello. Bonne journée. Oui, au revoir. Ah, écoute, je ne sais pas comment tu fais pour ton gazon. Moi, je n'y arrive pas. C'est une question de terreau, j'en sais rien. Ça, alors, vous me prêtez votre journal, s'il vous plaît, monsieur. Hein, non, croyez-moi, ça vaut la peine de revoir 2 fois. Mais je suis sûr qu'il vient encore une chance et il faut l'attendre. Morning, boys. Morning, Mr. Burke. Morning, Sonny. Morning, Mr. Burke. Morning, Larry. Morning, Mr. Burke. Morning, Earl. Morning, Mr. Burke. Morning, Phil. Morning, Mr. Burke. Morning. Name? Bissell, Art Department. Morning, Bissell. Good morning, Mr. Burke. Hey, Larry, I licked that crap. My wife had some Let's all stay on the ball, shall we? Now, Mr. Nerdlinger is coming in for a look-see at our billboard campaign for him, as you know. Now, what we want to do is to edge him in with the billboard campaign, and then later, we'll slip him into some nice TV spots, like our Hertz Man in the Driver's Seat commercial. All right, let's give him a good show today, shall we? We're ready for him, sir. No problem, sir. Thank you, boys. Thank you. Good morning. Good morning, Glory. Morning, girls. Good morning. Bon, allons-y. Eh bien, messieurs, nous allons tourner. Un peu de silence. Et pas d'aller et venu, s'il vous plaît.
Voulez-vous fermer cette porte là-bas? Dave, vous êtes prêt? C'est très bon? Oui. Allez-y, roulez. Hunter! Silence. Partez. Attention, deux mesures pour rien. Une, deux, une, deux, pas. Let Hertz put you in the driver's seat. Let Hertz take you anywhere at all. By the hour, by the day, by the week, or anyway, just let Hertz put you in the driver's seat. Alors, non! Coupez! Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut, nom d'un chien? Qu'est-ce que vous fabriquez? Que ça. Je regrette, mais c'est pas commode à faire, ce truc-là. C'est la première fois que j'en loupe un cette année. Oh, je suis navré, Dave. Ce sera pour la prochaine fois. Mais faites attention à ce que vous faites, bon sang! Allez, on recommence! Remontez les fils! Excusez-moi, je suis en retard, monsieur Vernier. Vernier? Verdi, oui, pardon, les enfants s'en allaient. Bonjour, Sam. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sam. C'est remarquable. Vous voyez, monsieur Nürlinger, ces sujets, en pleine lumière, sur cet énorme panneau, et se répétant 20 fois, c'est d'une étonnante efficacité. Je tiens à vous féliciter pour cette œuvre d'art, c'est réellement ça splendide. Ça empoigne vraiment, si je suis bon juge. Il y a un extraordinaire potentiel commercial là-dedans. Merci, j'ai pensé que c'était simple et j'ai marché à fond sur ce thème. Pour un style de vie masculin, les œufs Nürlinger, c'est excellent. C'est une véritable force de frappe. Mais néanmoins, nous suggérons, sans frapper à coups de marteau sur la tête des gens. Voyez-vous, monsieur Nürlinger, ce que nous essayons d'obtenir ici, c'est de toucher la corde psychologique commune à tous les hommes. Le symbole de la masculinité et de la fertilité, l'œuf. Vous voyez, Hervé, moi, j'y crois. Oui, c'est une trouvaille. C'est parce que vous en pensez, messieurs, mais après avoir vu ça, je commanderai des œufs pour déjeuner. Ouais, exactement ce qu'il fallait dire. C'est pas mal. Il commandera des œufs pour son déjeuner. Elle est bien bonne, celle-là. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voulez savoir ce que je pense? Oui. Je pense que c'est une abomination, une pure infamie. Je ne suis pas un homme prude, monsieur, mais je pense que le Tout-Puissant nous a donné la vie conjugale pour que nous élevions une famille et non pour vendre des œufs grâce à des annonces obscènes. La lascivité, la débauche, la luxure et le libertinage. Est-ce l'idée que vous vous faites de ma maison? Oh, mais pas du tout. Regardez, monsieur, cette poitrine. Des catins comme publicité pour des œufs. Je vais vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes tous pourris jusqu'à la moelle, et j'aurais dû choisir une autre agence. Je vous en prie, monsieur Nürlinger. Tous les hommes qui sont ici sont de très bons pères de famille. Non, n'essayez pas de me duper, monsieur. J'ai beau être vieux, je ne suis pas un imbécile. Ah, vous êtes tous de bons pères de famille. Mademoiselle Alverson, j'ai fait faire une enquête sur tous vos bons pères de famille. J'ai un dossier sur chacun de vous. Monsieur Blatchford, monsieur Reisner, monsieur Trelling, monsieur Burke, monsieur Bolling, le directeur du budget de publicité Nordlinger. Des escapades à Auckland chaque semaine, monsieur Bolling. Une jeune secrétaire nommée... Je ne vous autorise tout pas. Tout est là-dedans. Et vous êtes tous aussi pourris. La débauche et l'alcool. La pudicité et le stup. Eh bien non, monsieur, merci. Nous avons de vrais pères de familles honnêtes dans les fermes Nordlinger et je ne veux pas que ma maison soit représentée par des proxénètes, des noceurs et des libertins. Venez! Mais non, monsieur Nürlinger. Monsieur Nürlinger, nous ne sommes pas des gens entêtés. Vous savez, maintenant que nous connaissons votre manière de voir, nous pouvons venir. Monsieur Nürlinger, nous avons beaucoup de souplesse maintenant que nous connaissons vos goûts exacts. Je ne veux pas de cet homme dépravé pour faire ma publicité. Monsieur Nürlinger, vous aurez celui que vous voudrez. Nous avons tout un bureau plein de gens tout à fait bien, de respectables pères de famille. Vous ne sauriez pas reconnaître un respectable père de famille si on vous le montrait. Mais nous sommes très souples. Laissez-nous encore essayer. Monsieur Nürlinger, nous sommes tout ce qu'il y a de plus compréhensif ici, monsieur. Monsieur Nürlinger, laissez-nous une chance, une seule chance. Ce serait criminel de lâcher une affaire de cette envergure. Il y a un budget de $600,000 en jeu. Alors je vous le dis,
Nous trouverons quelqu'un. Il doit bien y avoir un homme, ici, au sein de toute cette vaste organisation, qui soit sans reproche au point de vue moral, qui soit un bon mari, un bon voisin, le véritable modèle standard du bon père de famille. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Bissell? Monsieur Vernier, je viens de prendre une décision. Je viens de prendre une décision. Ça fera 6 ans que je serai ici la semaine prochaine. J'ai eu beaucoup de patience pour attendre de l'avancement et j'ai l'impression que je n'arriverai à rien pour ma carrière. Voyez le service personnel. Oui, vous savez, j'en ai pris mon parti. Je veux parler à Monsieur Burke. Vous n'êtes pas malade, Bissell? On ne parle pas directement à Monsieur Burke pour de l'avancement, voyons. Allô? Allô, oui, monsieur. Qui? Monsieur Bissell est là, monsieur. Et qu'il entre immédiatement, Gloria. Rappelez-moi son prénom. Sam. Bonjour, Sam. Bonjour, ça va, vieux? La famille va bien, Sam? Oui, très bien. Sam, je viens de parler à Harvey, enfin, à monsieur Burke. Je lui ai parlé de toi et de Minnie, des enfants et des canards. Et de toutes ces choses originales que tu fabriques. Oui, les sculptures composées, c'est un passe-temps pour moi. Meilleur que les passe-temps de la plupart des gens d'ici. Sam, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur. Voyons. Causons un peu entre nous. Sam, vous savez que la maison Burke est avant tout une organisation moderne, où les idées démocratiques sont à l'honneur. Nous avons toujours essayé d'aider le plus que nous pouvons les jeunes à percer. Donc, j'ai dit à tous ces messieurs, messieurs, il faut que nous trouvions dans la maison un garçon jeune, énergique, et qui soit avant tout un bon père de famille, un homme gentil, et qui s'occupera du budget des lettrines Nürlinger. Et je suis persuadé que vous ne devineriez jamais sur qui nous sommes tombés. Sur qui? Monsieur Nürlinger, je vous présente Sam Bissell. Bonjour. Bonjour, monsieur. Montrez à monsieur Nürlinger les charmantes photos de vos enfants, ça. Ah, oui. Voilà. Là, c'est Denise. L'autre, c'est Gina. Et le canard. Vous élevez des canards? Ah oui, il adore les animaux, les chiens, les chats, les canards, tous les animaux. Toute son existence tourne entièrement autour de sa famille et de son canard. Je vous conseille de ne pas essayer de me tromper, monsieur. Je ferai également faire une enquête sur lui. Mais c'est l'article authentique et garanti, monsieur Nürlinger. Excellent mari, excellent voisin, l'honnête et respectable père de famille, s'il en fut jamais. Bon, venez par ici, Bissell. On va vous faire visiter pour que vous soyez au courant. Mais allez-y, Sam. Il faut à peu près 5 minutes pour faire une vache standard. Le lait passe le long de ces tuyaux d'acier aseptisé jusqu'au réservoir collecteur. Ensuite, il est pasteurisé et mis en bouteille sans qu'aucune main humaine soit en contact. Alors voilà l'image que nous voulons répandre. Celle d'une maison qui a fait ses preuves et ne livrant à la consommation qu'un produit supérieur. Je n'ai pas la prétention de connaître quelque chose à la publicité, mais je vous indiquerai la ligne de conduite que la maison s'est toujours appliquée à suivre. Nous sommes des gens simples, des gens comme tout le monde, et nous livrons des produits honnêtes, simples et parfaits. Nous vendons du lait, des œufs et des poulets. Simplicité, pureté, loyauté. Peut-être, monsieur Bissell, un simple panneau entièrement blanc. En travers, en belles lettres dorées, les œufs Nürlinger ont un plus gros jaune. Simplicité. Et dans le coin supérieur gauche, une photo de moi. Loyauté. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est une idée à mettre sur le métier et à approfondir. C'est très intéressant. Excellent. Oui. Ça me plaît beaucoup. Ah, moi aussi. Alors, monsieur Bissell, que pensez-vous de cette idée? Franchement, monsieur, ça ne me plaît pas du tout. En somme, de quoi est-ce que nous parlons? Je crois que nous parlons de lait, simplement. Exact. L'aliment de base le plus répandu au monde. Je crois que la publicité doit être aussi simple et élémentaire que le produit qu'elle cherche à vendre. Je crois qu'il faudrait oublier toutes ces subtilités superflues. Tout compte fait, qui est-ce qui vous achète vos produits? Vos œufs, vos poulets, votre lait, monsieur Nürlinger? N'importe qui. Exactement, n'importe qui. Des gens qu'on rencontre partout, des êtres humains comme tout le monde. Alors je pense qu'il faudrait prendre simplement des photos d'hommes et de femmes ordinaires. Pas des acteurs, non, ni des mannequins, mais n'importe qui. On les mettrait sur un panneau. Et la légende pourrait dire simplement, monsieur et madame Godfrey Hotchkiss, ou un autre nom, peu importe, disent que les produits Nürlinger sont les meilleurs. Et voilà, un point c'est tout. Commandez immédiatement le panneau, Burke. Je suis preneur de son idée à 100%. Eh bien, mes amis, en face d'une telle honnêteté et d'une telle loyauté, je me sens diminué. Prodigieux comme conception. C'est ce qu'on appelle du génie. Ça m'a bouleversé tous les principes de la publicité. Vous êtes mon homme.
Jeannette! Oh mon Dieu! Comment ça va? Oh, ça me fait tant plaisir de te voir. Tu es magnifique aussi, tu sais. Où as-tu trouvé ce tailleur? Il est ravissant. Je me le suis offert à Paris avant mon départ. À Paris? Tu as habité Paris? Oui, je te raconterai ça plus tard. Allons chercher mes bagages et après, on ira faire un bon déjeuner. Oh, merveilleux! Tu as toujours des idées formidables. Tu sais, je voulais venir avec ça. Voici, mademoiselle, un 53. Très fin, très rare. Je suis sûr que vous l'aimerez. Oui, merci. C'est ça. Mm-hmm. Il est c'est bon, hein? Très bon. Ouais, je suis tellement jalouse. Tu as de la veine de voyager dans le monde entier. C'est le rêve, une vie pareille. Oh, je ne me plains pas. J'adore la vie que je mène. Oh, tu te rappelles quand je disais toujours à l'école, il y a des filles qui sont faites pour vivre seules. Eh bien, je suis une de ces filles-là. J'aime me sentir libre. Ce n'est pas que le mariage ne convient pas à d'autres filles. Ça n'a pas l'air de mal te réussir, Minnie. Tu sais, je m'attendais à te voir toute mariée, une bonne mémère. Et au lieu de ça, tu es divine. Ça m'a fait tant de peine quand j'ai appris que toi et Howard vous alliez divorcer. Je sais pas, je m'attendais à te voir affectée. Comment? Avec des grands cernes aux yeux, à force d'avoir versé des larmes? Quelque chose comme ça, oui. Je vais te dire quelque chose, Minnie. Il faudrait que toutes les femmes aient été mariées avec Howard Ebbett, au moins une fois. C'est comme quand on se cogne la tête contre les murs, tu sais. C'est si bon quand ça s'arrête. Être séparée de lui était la plus merveilleuse chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a entièrement rendu la foi que j'avais dans le divorce. Mais quand je te vois toute éclatante de bonheur et rayonnante, et... Oh, je ne sais pas. Attends d'avoir vu Sam, tu comprendras. Merci, Harold. Tu sais, je voudrais voir la tête de Minnie quand tu lui diras ça. Hein. Merci. Hein. N'oublie pas le pensée au lait. Hein. Non, au revoir, à demain. Attendu. Hé hey, chérie, tu ne devineras jamais. Où es-tu? Minnie? Chérie. Minnie, Minnie chérie, Minnie c'est pour toi, ne crois pas que je sois fou, non, c'est pour fêter la chose la plus formidable qui me soit jamais arrivée de ma vie. J'entrais dans le bureau pour demander une... Vous êtes sûrement Sam. Je suis l'amie de Minnie, Jeannette. Jeannette Lagerlof. Enchantée de vous connaître, Madame Lagerlof. Oui, vous savez, Lagerlof, c'est seulement mon nom de jeune fille. Jusqu'à ce que mon divorce soit définitif, je m'appelle toujours Madame Howard Ebbett. Ah, enchantée, Madame. Très heureuse. Je suis contente de vous voir. Oui, moi aussi, je suis contente de vous voir. Mais écoutez, je ne veux pas vous empêcher de prendre votre douche. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? De savon, non, peut-être? Non, merci, j'ai tout ce qu'il faut. Un gant? Une serviette? Enfin, faites comme chez vous, vous savez. Merci. Oh là là là. Ah, bonsoir, Minnie. Oh non, mais c'est terrible. Oh, mon chéri, je savais pas que t'étais rentré. Non, mais j'ai jamais été si gêné de ma vie. J'avais l'air stupide avec ton amie Jeannette dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Dans la salle de bain, mais je voudrais bien savoir ce qu'il faisait. Oh, mais écoute, Sam, je lui ai demandé de venir chez nous. Ne sois pas comme ça, je voulais qu'elle te connaisse. Mais voyons, mais j'avais l'air d'une bille. Oh, Jeannette, je crois que c'est plus la peine de vous présenter tous les deux. Non. Enfin, je te présente mon mari, Sam, mon amie, Jeannette. Nous nous connaissons, mais je suis désolée d'avoir été présente. Ah non, ne soyez pas désolée, c'est charmant. Dis-moi, est-ce que ton mari revient tous les jours avec des roses? Pour moi? Non, oui, enfin, c'est pour fêter un grand événement. Ben, depuis que je suis rentrée à la maison, je cherche quelqu'un à qui la prendre. Chérie, tu as devant toi le nouveau directeur du budget des lettrines Nürtlinger. Oh, moi. Formidable, c'est merveilleux. Attends, j'ai amené du champagne pour arroser ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée ce que c'est, un directeur de budget. C'est un poste très important, c'est lui qui fait toute la publicité d'une maison. Oh, chérie, mais quand as-tu appris cette bonne nouvelle? Eh bien, j'entrais dans le bureau pour demander une augmentation. Et avant que j'aie eu le temps de rien dire, M. Burke a dit qu'il me donnait ce poste. Je ne sais pas, Nürtlinger est un drôle de vie original. Je crois que je lui ai été sympathique. Est-ce qu'Harold le sait? Il le sait, mais il a failli rentrer dans 3 ou 4 réverbères en me ramenant. Il voulait voir la tête que tu ferais quand je te le dirais. Ah, la tienne. À mes merveilleux amis, à leur charmant accueil et à vos nouvelles fonctions. Félicitations, mon ange. Je te remercie. Il est bon.
Hey, j'ai une idée magnifique. On va fêter l'événement en allant dîner au restaurant. Oui. Très bonne idée. Allez vous habiller toutes les deux, je me raserai après. D'accord, d'accord. Mmh. Tu peux te servir de la douche, Minnie. Oui, oui, j'arrive. Je tiendrai compagnie à Sam. Sam, Sam, où êtes-vous? Ici. Oh. Ça vous plaît? Oh, c'est merveilleux! Oh, c'est extraordinaire! Oh, mais quelle imagination! Et ça? Et ça? Sam, vous savez, ça ressemble beaucoup à ce que fait Jean Tilly à Paris. Vous connaissez? Oui, enfin, non. C'est... Je vous assure, c'est génial. Oh, vous savez, génial. Je suis qu'un bricoleur. Claire. Un bricoleur? Mais pas du tout, c'est admirable. Merci. Et vous voulez voir comment ça marche? Oui! Attendez une seconde que je resserre ça. Je vais vous faire une démonstration. Oh, vous êtes si gentils tous les deux. Ça me fera tant de plaisir de vous avoir comme voisin. Hein? Comme voisin? Comment ça? Vous ne savez pas? Quoi? Elle vous a rien dit? Non. J'ai loué la maison, là, cet après-midi. Comment, celle des Gibson? Oui. Par je exemple... reste à San Francisco un moment, et comme j'en ai assez des hôtels, et Minnie et moi serons porte-à-porte, ça m'a paru une bonne idée. Et c'est encore meilleur maintenant. C'est une excellente idée, ça nous fait deux choses à fêter maintenant. Oui. Ma nomination et notre nouvelle voisine. Mes nouveaux voisins. Ah, oui. Alors, vous y êtes? Oui. Touchons les voix. C'est bien, non? Y a lui, ça? C'est la vie qui est merveilleuse. À la vôtre. On devrait sortir plus souvent. Un peu de champagne, monsieur? Hein? Un peu de champagne? Ah oui, oui, bonne idée. Écoutez, je pense à une chose. Oui? Pourquoi est-ce que Jeannette ne passerait pas la nuit chez nous? Comme ça, elle serait sur place demain quand les déménageurs arriveront. Très bonne idée, chérie. Et si vous avez besoin de quelques meubles, j'ai un choix surprenant dans le fond de ma armée. Non, Jeannette a un tas de meubles qui viennent de son grand-père. Oui, il est mort le mois dernier, ça. Et je suis la plus proche parente. Alors, j'ai hérité de toute une immense maison lugubre qui est pleine de meubles, d'un tas d'objets de toutes sortes. Je viens justement à San Francisco pour régler cette affaire d'héritage. Tu crois qu'il t'a laissé de l'argent à part ça? Non, je saurai ça demain. Les avocats doivent venir arranger tout ça. Écoutez, on n'est pas là pour parler d'héritage. Si on parlait plutôt de notre nouveau directeur du budget. Oui. Et vous savez, on devrait... Dites-moi, garçon. Monsieur. Peut-on avoir une autre bouteille? Certainement. Sam, merci. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de dîner maintenant? Oh non, encore une bouteille, dis-moi. D'accord. Bon. Chin-chin. Chin-chin. I told Mr. Nerdling, I said, Nerdly? No, I said, I'm a plain, simple, clean-loving family man, and I love my little old wife, and I love my little old kids, and I love my little old ducks, and I love my little old neighbors. And I love that little new neighbor, too. Bonjour! Bonsoir! I told him, I said, Mr. Nerdlinger, the simplest, the most basic thing in the world is milk. You know, just good, clean, living, wholesome American milk. Sam, I'm just starving. Let's order dinner. Ooh, no? Oh, what a wonderful thing it would be if the young people of today could benefit from my example, huh? Of clean living. I'm going to find young people and talk to them about clean living and how rewarding that can be, boy. Oh, Sam. It's the least I can do, dear. Jim, we got to get him out of here. Excuse me. I'd like to say a few words about clean living. When I was your age, I had got some philosophy of... Well, come here. I want to speak. They're very nice people. Don't be afraid of me, just plain, clean living family. Not... I'm proud of you. I'm proud of every last one of you. Je vous laisse, je vais passer la plus belle soirée de ma vie. Et celui qui dira que je ne suis pas un bon père de famille, c'est seulement... Non, je les trouve pas. C'est pas toi qui les as, par hasard? Que tous les voleurs de clés présents dans l'assistance lèvent la main. Alors? Sam, devant tout le monde.
Les voilà. Ah, oui, les voilà. Où a-t-on laissé la voiture? Attends. Où étions-nous avant de venir ici? Sam! Tu fais mal? Sam, vraiment, je suis navrée, je suis absolument navrée. Tu t'es fait mal? Non, t'inquiète pas pour moi. Je suis seulement tombée du lit. Oh, c'est ce qu'on appelle un brave et honnête père de famille, oh mon Dieu. Voulez-vous mettre ça là, s'il vous plaît, sur la table? Merci. Hé! Hey. Bonjour, Sam. Minnie. Bonjour. C'était une belle soirée hier Mais soir. Mais Minnie est par là. Je suis là, mon chéri. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un honorable père de famille bien tranquille qui a dégringolé tout le grand escalier du Fairmont Hotel hier soir. Ça a causé une certaine émotion. Oh non! Si, mais c'est vrai. Jeannette! Non! Bonjour, Jeannette! Sam, tenez. Bonjour, bonjour. Je suis content de vous voir. Mes associés, bonjour. Monsieur Price. Enchanté. Monsieur Hausmann. Enchanté. Mes voisins, Monsieur Bissell, Madame Bissell. Je vous présente la vous et mon grand-père, enchanté. Monsieur Melner. Pardon, messieurs, dames, laissez passer. Oui. Il me semble que c'est bien en convoi ici. Il faut que nous parlions de cette affaire le plus tôt possible. Mais vous n'avez qu'à venir à la maison, Jeannette. Amène-les. Vous serez tranquille. Je vous ferai un peu de café. Tenez, très bien. Par ici. Attends que je pose ça. Les titres qui composent le portefeuille, ajoutés aux actions des brasseries de Surtal, augmentent le total d'une façon considérable. Et avec la société des brasseries de Saint-Paul et le holding Fresno, on a... Où est le relevé, Wise? Il est là, monsieur. Voilà. Tenez, voilà. Merci. La succession monte à une somme qui doit être voisine de 25 millions de dollars. Oh! Quoi? 25 millions de dollars? Tu es millionnaire? Vous êtes la seule millionnaire que j'ai jamais connue. C'est pas croyable. Et vous êtes sûr? Grand-père vivait si simplement dans cette vieille maison sinistre. Votre grand-père était un monsieur très conservateur qui n'appréciait aucune espèce d'extravagance. Comme vous le savez, vous restiez sa seule proche parente. Il y a bien aussi vos cousins, Irène Krupp et Jacques Bellet, qui m'ont, soit dit en passant, déjà demandé des précisions au sujet du testament, mais je crois qu'il n'y a pas de problème, étant bien entendu que vous devez vous réconcilier avec Howard le plus tôt possible. Bien entendu que quoi? Il y a un codicille au testament de votre grand-père où il stipule que pour que vous soyez admise à bénéficier de l'héritage, votre mariage doit demeurer solide et effectif. Si bien qu'il vous suffira de savoir où se trouve votre mari. Mon ex-mari. Et de vous réconcilier avec lui. Jamais. Je ne le ferai pas pour un empire. Autant que je me souvienne, Jeannette, vous avez divorcé il y a 6 mois. Et selon la loi californienne, le divorce ne sera définitif que dans 6 mois d'ici. Je pense que nous pouvons sans crainte admettre comme principe que vous êtes toujours mariés. Quelle est votre opinion, messieurs? Au point de vue légal... Ils ne vivent pas ensemble. En droit, l'existence du mariage paraît assez douteuse. Mais je suppose qu'on peut dire quand même qu'ils sont mariés. En fait. D'accord. Alors fions-nous à l'opinion du commissaire aux successions. Selon la loi, Jeannette est toujours légalement mariée, à condition que personne n'argue du fait que son mari ne vit pas effectivement sous le même toit qu'elle. Mais monsieur, excusez-moi, si quelqu'un vient à découvrir qu'ils ne vivent pas ensemble, il pourrait contester le testament. Mais qui pourrait avoir envie de faire ça? Avec 25 millions de dollars à la clé, ma chère, vous allez voir surgir des parents du plancher, je vous avertis. Ah, vous pensez à Irène et Jacques? Sans aucun doute. Comment serait-il possible qu'ils sachent que nous avons divorcé? Eh bien, il existe ce qu'on appelle des détectives privés, vous savez. Enfin, il n'y a aucune raison de prévoir le pire. Si personne ne met sur le tapis la question divorce, nous n'aurons sûrement pas d'ennui. Cette fortune sera légalement à vous, ma chère, et je vous promets de faire l'impossible pour qu'il en soit ainsi. J'ai été très heureux de faire votre connaissance, Madame Bissell. Au revoir, Monsieur Bissell. Allons, ma petite Jeannette, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Tout merci, se passera parfaitement bien.
25 millions. 25 millions. 25 millions. 25 millions. Millions. Ah, Jeannette! Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une fortune pareille? Je n'en sais rien, je n'ai pas le temps de penser à l'argent. Il faut que j'arrange la maison, regarde ce fouillis. Ah oui, c'est vrai, elle a raison, faut l'aider à mettre de l'ordre dans la maison. Je vais vite aller chercher un peu de café, vous n'avez qu'à commencer sans moi, d'accord? Oh, vous pouvez le mettre dans la chambre. Bon. Bonjour, Jeannette. Bonjour, Jeannette. Oh, je suis contente de te retrouver. Oh, cousine Irène, cousin Jacques, quelle bonne surprise. J'espère qu'on ne te dérange pas. Non, 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 au contraire. Tu as fait venir tout le mobilier de l'oncle Otto. Oh, je suis si contente que tu l'aies eu. Tu étais sa préférée, bien sûr. Oh, c'est son cher fauteuil. Il me semble encore le voir assis dedans, juste avant sa fin. Allons, allons, ma chère Irène, remets-toi, je t'en prie. Je peux m'asseoir un instant? Oh, oui, 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 assieds-toi, naturellement, je t'en prie, assieds-toi. Pourquoi? Oh, excuse-moi, je suis vraiment navrée, attends, mets-toi là. Tu sais, je crois que j'ai pris la mauvaise route après le pont. Oui, c'est assez difficile à trouver. J'ai pris à gauche au lieu de prendre à droite. J'espère qu'on ne te dérange pas. Non, 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 mettez-vous à votre aise, assieds-toi donc. On passait simplement pour te faire nos condoléances. Oh, oui, j'étais très pauvre triste. Oncle Otto. Je l'aimais réellement comme s'il avait été mon père. Le pauvre, il était si gentil, si bon. Nous espérions voir Howard. Nous n'avons pas encore le plaisir de le connaître. Ah oui, Howard, malheureusement, a dû aller... Jeannette, oui? Je ne sais pas où il faut mettre ces serviettes. Oh chérie, veux-tu venir un petit moment? Tu ne connais pas mes cousins, n'est-ce pas? Non. Irène Krupp, Jacques Bailey, mon mari, Howard. Ce sont les parents dont je t'avais parlé. Tu te rappelles bien, mon chéri? Eh bien, ça me fait plaisir de vous connaître au bout de tant d'années. Mon Dieu, ce cher Howard, c'est donc vous l'heureux homme qui avait eu Jeannette. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. J'espère que vous me pardonnez tous ces désordres, mais on a emménagé ce matin, n'est-ce pas, chérie? Oui, on a emménagé ce matin, effectivement. Et c'est tout naturel. Ça sera un vrai bijou, plus tard. Il doit certainement y avoir des gens qui aiment ces constructions modernes. Évidemment, l'endroit où nous vivons n'a pas d'importance dès l'instant que nous sommes ensemble, n'est-ce pas, chérie? Oui, chérie, dès l'instant que nous sommes ensemble, rien n'a d'importance. Oh, Minnie, ma petite Minnie, merci beaucoup. Oh, ce sont les parents dont je t'avais parlé, tu te rappelles bien? C'est ma chère voisine, mon amie Minnie Bissell, Irène Krupp, Jacques Bailey. Très heureuse. Madame. Tu sais, Howard et moi, nous étions en train de dire que nous pouvions vivre heureux partout dès l'instant que nous étions ensemble. Howard et toi? Oui, n'est-ce pas vrai, mon chéri? Si, c'est vrai. Évidemment, nous avons beaucoup de chance de vivre à côté de vous et de l'homme admirable qu'est votre mari, Madame Bissell. C'est trop de bonté. Oh, non, non, je parle en toute sincérité. C'est l'homme le plus formidable que j'ai jamais connu. Vraiment, c'est le prodige des temps modernes, votre mari, n'est-ce pas, Madame Bissell? Vous ne voulez pas de café? Ah non, 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 merci. Oh, je vous remercie beaucoup, mais malheureusement, il faut que nous partions. Oui, nous passions seulement pour vous exprimer notre sympathie. Je crois que nous sommes venus un peu tôt. Oh, non, pas du tout. J'espère que vous allez trouver le bon chemin cette fois. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Vous savez, il y a 25 ans, cette région était un véritable désert par rapport à ce qu'elle est maintenant. Ça ne peut pas être très commode d'habiter un quartier si éloigné. Oh, vous êtes sûr que personne ne veut du café? Non, merci. Au revoir, Madame Bissell. Je suis bien contente de vous connaître. Bon, moi j'habite là. Au revoir. Mes amitiés à Sam. Merci. Au revoir, Jeannette. Ça me fait plaisir de te voir si heureuse. Au revoir, Irène. Et à bientôt. Howard, j'ai été heureux de vous connaître. Merci beaucoup. Au revoir, Howard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est une histoire complètement folle. Oh, Sam, vous avez été splendide, vraiment splendide. Vous faites tous mes remerciements. Ah, de rien. Je crois qu'ils sont renseignés sur le testament. C'est pour ça qu'ils sont venus. Oui, sûrement. Je l'ai vu tout de suite quand ils sont arrivés. On les a bien roulés? Vous croyez? On était remarquables. Vous, surtout. Oui. Hé, c'est moi. Oh, Minnie. C'est Minnie. Oh, vous avez été merveilleux, mais je crois que cette histoire n'est pas finie. Ils sont encore dehors. Ils attendent. Oh, Sam, oui? Regardez donc, ils sont encore là. Quoi? Oui, vous avez raison, mais il faut que j'aille au bureau, moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il a dit?
Mais il dit qu'il faut qu'il aille au bureau. Il est encore en pyjama. Ah, oui, oui, c'est vrai, il faut qu'il le voie sortir de chez toi. Bon, bah, viens chez moi, je vais te mettre ses vêtements dans un sac. Oui, c'est la seule chose à faire. Sam! Dites, Minnie a une bonne idée, je vais aller chez vous et je vais rapporter vos affaires. Ne vous en faites pas. Mais, apportez-moi mon rasoir. Oui. Minnie dit que je devrais vous conduire au bureau en voiture. Elle dit que ça aura l'air plus naturel. Oui. À quelle heure est-ce que vous commencez? Oh, sapristi, tout de suite. Pour mes débuts de directeur de budget, je vais être en retard. Mais pas de panique, je vais vous conduire. Je vais sortir la voiture tout de suite. Ah, les chaussettes, ça y est, elles ont oublié mes chaussettes. Et vous avez... Je suis même pas rasé. Chut, ils sont de l'autre côté de la rue. Ne parlez pas si fort et souriez. Tu vas les suivre. Pourquoi? Je pourrais te donner 25 millions de raisons pour ça. Allez, dépêche-toi, suis-les. Sam. Mettez ça derrière, s'il vous plaît. Hmm? Oh, non, bon. Attention, ne vous retournez surtout pas, Jeannette. Regardez, regardez dans le rétroviseur. Vous ne croyez pas que c'est la même voiture? Qu'ils nous suivent. Bonjour, bonjour, monsieur. Ah, vous vous souvenez de tous ces messieurs, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur. Monsieur Nurlinger, je vous présente Richard Tarragon, monsieur Nurlinger. C'est le meilleur photographe de San Francisco. Il va vous faire des photos fantastiques pour vos panneaux publicitaires. Je ne veux pas de photos fantastiques, monsieur. Je veux des photos normales, de gens normaux, pour des affiches normales, ainsi que Bissell l'a dit. Vous ferez bien de consulter Bissell, c'est lui qui a le sens de ce qu'il convient de faire. Certainement, monsieur Nurlinger. Ah, justement, voilà notre grand homme qui arrive, monsieur Nurlinger. Dites, ils sont arrêtés juste derrière nous. On ferait peut-être mieux de continuer notre numéro d'imitation. Oui. Au revoir, chérie. Regardez ça. Quel charmant tableau de la vie familiale. Vraiment, je suis navré de cette histoire. Ben, on ne peut pas faire autrement. Hein. Bonjour, Sam. Sam, vous voulez venir un petit moment par ici? Monsieur Nurlinger aimerait connaître Madame Bissell. Ah oui, Madame Bissell. Oh, mon Dieu. Mais qui oh, c'est? Oh, là, là, mon patron et le client. Mais comment vais-je leur expliquer? Mais c'est parfaitement simple. Vous avez qu'à dire la vérité. Dites que je suis votre voisine. Ah, bonjour! Bonjour! Dites donc, un honorable père de famille n'est pas censé avoir une attitude si tendre avec sa voisine au coin de la rue. Ah, bonjour, vous êtes magnifique, magnifique. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je ne crois pas avoir encore eu le plaisir de vous rencontrer. Non, monsieur Burke, permettez-moi de vous présenter... Madame Bissell, je suis charmé de vous voir. Attendez, vous permettez. Attention à votre jupe. Vous savez, ce cher Sam est le plus sympathique de tous nos collaborateurs. Mais il faut que vous veniez voir monsieur Nurlinger. C'est notre ravi. Client le plus exigeant. Sam est le seul de nous qui sache le prendre. Non, c'est vrai? Faudra essayer de mieux vous raser, Sam. Vous faites un peu négligé. Madame Bissell, puis-je vous présenter monsieur Nurlinger? Bonjour, monsieur Nurlinger. Bonjour, madame. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Bonjour, Sam. Bonjour, monsieur. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Sam. Elle est charmante. Voulez-vous me faire le plaisir de venir dîner avec madame Nurlinger et moi ce soir? Je suis sûr que vous lui plairez beaucoup. Oui, mais il faut que je téléphone à la maison pour savoir si ma femme n'a pas d'autres projets. Téléphoner à la maison? Qu'est-ce que vous racontez? Nous serons absolument enchantés d'y aller, naturellement, n'est-ce pas, Sam? Ah, bien sûr. Eh bien, alors, disons à 8 heures. Ah, au fait, Sam, nous nous habillons toujours pour dîner. Cravate noire. Très heureux de vous avoir rencontré. Ça me fait un très grand plaisir de vous connaître. Oh, tout le plaisir est pour moi. Au revoir. Au revoir, au revoir.
Et n'oubliez pas que je ne veux pas de fantaisie. Ah, très bien. Des photos de gens normaux. Entendu. Au revoir, monsieur Nerlinger. À bientôt. Et dites donc, ça va un peu loin, cette affaire. Comment va-t-on, Sarsa? Au revoir, mon chéri. Au revoir, messieurs. Très heureuse de vous avoir vu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chérie. Ah, quel vénard, ce Sam. Bonjour, monsieur Hubert. Bonjour, messieurs. Bonjour. Peux-tu me dire, toi, qui est la pépite du grand passé dehors? Ah non, écoute, je voudrais bien que tu m'expliques ce mystère. Je suis embarqué dans une histoire effroyable. Ça m'en a tout l'air. Écoute, c'est la meilleure amie de Minnie. La meilleure amie de Minnie. Eh oui. Dites-donc, vous voulez cesser de bavarder là derrière? Silence! Envoie le moteur, Jim. Vous y êtes? On y va. Mais enfin, c'est pas une raison pour que... Attention. Une, deux, une, deux. By the hour, by the day, by the way, anyway, just as Hertz put you in the driver's seat. Laissez Hertz vous installer au volant. Non, non, non! Non, coupez! Arrêtez, arrêtez! Mais orientez-vous, Philo, autrement, bon sang! Au volant, c'est tout même pas difficile! Ah, ce coup-là, c'est pas de ma faute, hein! Ah, ils ont encore fait du beau travail. Bon, oui, alors, on commence par le commencement. Ah, mais oui, c'est la meilleure amie de Minnie, elle a dit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Ah, mon cher ami, qu'est-ce que vous faites là? Venez, nous avons quelque chose à vous montrer. Oui, venez avec moi, vous allez voir. Oui, mais... Attends, tout à l'heure. Oui, oui. Venez, venez avec moi, vous ne le regretterez pas. Mesdemoiselles? Il ne faudrait pas vous laisser tourner la tête, Sam. Mais c'est la façon que nous avons trouvé de vous remercier de l'immense service que vous nous rendez en nous livrant à M. Nerlinger. Monsieur le... Et voilà la surprise, Sam. Félicitations. Good luck, Sam. Thank you. Go on in, it's your office. Sam, how do you like this, huh? Come on, come on, sit down, sit down. It's all yours. Thank you. Here you are, Sam. Executive cigar? Go ahead, put your feet up on the desk there, Sam. Just like you on the place. Go ahead, get him up there, boy. Where are your socks, Sam? It's kind of hard to explain. That's all right. You don't have to explain to me, I understand. I know how tough it is to make ends meet when you've got a growing family. But we're going to take care of that, too. There's a very nice raise going into effect for you starting today. Well, thank you. All right, boys, get back to work, shall we? Lots of luck. Lots of luck. Smiles on your new location. And let's crank up on that Nerlinger account, huh? Yes, crank. And thank you, Ken. Congratulations, Mr. Bissell, on the new job. Oh, thank you, Marcia. They assigned me to you. Oh, that's nice. Can I do anything? Yeah, you could get Mrs. Bissell for me on the phone, if you would, please. Thank you. Your wife is on one, sir. Oh, thank you. Hi, honey. Sorry, Mr. Burke. No, you're on the dictograph. She's on the telephone. Line one. Thank you. Hello? Hi, honey. Who was who? Oh, that was my secretary.
Yeah. My new secretary. I got a secretary now. I got a new office. I got a raise. You should see this office. It's got everything. You got windows, everything. What? You gotta celebrate tonight? Yeah, well, I wanted to tell you a very peculiar thing happened, honey. I'm sure you'll understand. You'll laugh when I tell you what it is. Je ne vois pas pourquoi tu ne leur as pas dit tout bonnement la vérité. Attends, chérie, attends, tu sais bien, voyons, je te l'ai expliqué pourquoi. Tu ne connais pas Nordlinger, c'est un drôle de bonhomme, il est obsédé par fidélité, le mariage, alors il faut bien que je joue le rôle. On n'arrivera jamais à lui faire comprendre pourquoi j'embrasse une fille aussi belle que... Tiens, voilà Jeannette. Écoute, ma chérie, il faut essayer d'être raisonnable, mais je t'en prie. J'essaie d'être raisonnable, mais j'arrive difficilement à comprendre comment tu t'es mis dans cette situation absurde. Écoute, chérie, il faut que tu essaies. Mais je sais, mais sincèrement, j'essaie d'être raisonnable. Je ne réussis pas, mais je te jure que j'essaie. Bonsoir. Tu sais, Minnie, je suis navrée de ce qui arrive. Je voudrais pas vous causer de désagréments à toi et Sam pour $1 million. Oui, et d'un autre côté, pour 25 millions... Oh, oui. T'inquiète pas, Van, non, je suis pas réellement contrariée. C'est bien, c'est très bien. Faut vous dépêcher maintenant, vous allez être en retard. Oui. Au revoir. Moi, je vais conduire. D'accord. Bon, on s'en va, je suis navrée, mais on essaiera de s'échapper le plus vite possible. Vous êtes très beaux tous les deux. Oui. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. Mon club féminin a commencé une campagne d'épuration contre les livres obscènes et les publications pornographiques qui infestent les librairies et les kiosques à journaux. Je serais ravie si Madame Bissell venait se joindre à nous jeudi pour la séance hebdomadaire de brûlage des livres proscrits. Oui, certainement, elle serait très heureuse, Madame Nürtlinger, mais jeudi, elle a une séance de jeux de loto à son patronage. J'estime que les jeux d'argent sont immoraux. Ah, mais elle ne joue des haricots, bien entendu. Ah, très bien, dans ce cas, c'est différent. Ah, oui. Un homme doit avoir une fondation solide pour bâtir une vie honorable. Eh oui. Madame Nürtlinger et moi, nous détestons la frivolité et surtout l'infidélité qui sont si communes maintenant. Oh oui, c'est comme ça, mais moi... Vous ne pouvez pas savoir combien il existe de gens sans morale qui mènent une vie de débauche dans notre société. Mais le Tout-Puissant punira les débauchés et les pervers, car les jours sont comptés pour eux. Isaïe, verset 6. Amen. J'ai ma clé, Sam. Merci. Bonsoir, à demain. Au revoir. Bonne nuit, Jeannette. Attendez, n'allumez pas, surtout pas. Il y a une camionnette devant la maison, ça fait plusieurs heures qu'elle y est. Venez voir, venez vite, vite. Alors, il faut se lever au milieu de la nuit pour voir une camionnette, c'est charmant. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Eh ben quoi, c'est une camionnette, le chauffeur a dû s'arrêter là avec sa petite amie. Mais non, pas dans un quartier résidentiel, tu peux lire ce qu'il y a décrit dessus? Oui, Brookfield Vacuum Cleaner Company. Brookfield. Mais il n'y a pas de compagnie d'aspirateurs qui s'appelle Brookfield. Oh, j'en étais sûre. C'est certainement un détective privé, il n'y a pas de doute. Vous vous rappelez ce que l'avocat avait dit? Alors c'est très embêtant si c'est ça. Je me demande ce qu'un détective privé peut espérer voir d'intéressant dehors. Oh, c'est extrêmement simple. Par exemple... Il peut essayer de voir si mon mari habite réellement avec moi et le guetter demain matin quand il sortira.
Ah non, 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 ça ne va pas recommencer. Mais écoute, mon chéri, on s'est tellement engagé qu'il n'y a plus moyen de reculer. Mais il commence à faire clair dehors, regarde. Et s'il y a quelqu'un qui guette dans la camionnette, il me verra quand je traverserai le jardin. C'est vrai, c'est très risqué. Il y a peut-être un moyen. Mais oui, bien sûr. Il y a un moyen très simple de faire passer Sam chez toi sans qu'on puisse s'en apercevoir. En faisant quoi? En nous catapultant avec un canon? Ne dis pas de bêtises, tu sais très bien qu'on n'a pas de canon. Non, il y a un moyen beaucoup plus intelligent. Ça y est, viens. Ah non, non, ça jamais, hein, je refuse énergiquement. Mais on n'a pas le choix. Allez, va-t'en-toi. Ne me laissez pas tomber. Hein. Non, non, t'en fais pas. Quand est-ce qu'on arrive? Mais attends, faut bien qu'on porte le linge. Bobby, va-t'en. Il y a un moyen très simple de faire passer Sam chez toi sans qu'on s'en aperçoive. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas ton pantalon. Oui, merci bien. Attends. Si je peux donner Sam, mon opinion, je trouve que c'est l'entreprise la plus loufoque à laquelle j'ai jamais été mêlé. Bonjour, Joe. Bonjour, Alfred. Alors, ça va ce matin? Ça boum. Bonjour, Monsieur Palma. Bonjour, Monsieur Ray. Bonjour, Madame Bissell. Bonjour, Madame Bissell. Bonjour, Monsieur Hébet. Jeanne. Bonjour, Madame Bissell. J'ai encore oublié mes chaussettes. Chut, nous sommes observés. Vous ne vous rendez pas compte. Ça marche, Tarragon? Ah oui, j'ai déjà quelques photos sensationnelles que j'ai prises au vol, de vrais phénomènes. Non, pas de ça. Nürlinger ne veut pas entendre parler de phénomènes. Des gens normaux, des hommes et des femmes comme tout le monde. Oh, je vois ce qu'il vous faut. Oh, tenez, voilà un couple qui a l'air très normal. Non, non, Tarragon. Ceux-là, ils sont trop normaux. Des gens d'une élégance simple, voilà ce que je demande. Des gens d'aspect honnête, correct et sympathique, Tarragon. Tenez. Voilà ce qu'il nous faut. Regardez, ce sont des gens normaux, corrects, sympathiques, et ils sont mariés et femmes. Mais dites, c'est Monsieur Bissell, on ne peut pas lui faire ça. Et alors, il travaille dans la maison. Ben justement, ça n'a aucune importance. C'est un échantillon parfait de gens moyens, la représentation idéale du ménage modèle. Ne discutez pas et tâchez de faire une bonne photo. À tout à l'heure. Sam, Minnie et vous étiez tellement gentils avec moi que je voudrais faire quelque chose pour vous remercier. Oh non, pensez-vous. Dès que j'aurai touché mon héritage, je vous ferai cadeau d'un million de dollars. Cadeau de quoi? Cadeau d'un million de dollars. Mais... Si vous n'aviez pas été là, Minnie et vous, je n'aurais jamais pu avoir les 25 millions. Ne dites pas le contraire. Mais inutile. Pas de discussion, pas de protestation. D'ailleurs, tout est déjà décidé. Je vais passer aujourd'hui au bureau de Melner et lui dire de faire le nécessaire. Oh, mais non. Non, mais je ne sais pas quoi dire. Rien, ne dites rien. Si nous passons sans ennui les quelques jours qui viennent, nous serons tous millionnaires. Ah oui? Au revoir, à ce soir. Oh, il n'y a rien qui aille dans tout ça. Mais celle-ci a un cachet honnête et sérieux. Oh, ça, c'est abominable. Ah, voilà une qui est bien dans l'esprit. C'est horrible, affreux. Horrible, elles sont toutes épouvantables. Il n'y en a aucune qui mette en valeur le caractère de simplicité de notre campagne. Je n'ai pas raison, Sam? Sam. Oui? Voulez-vous avoir l'obligeance d'expliquer pour la 100 000e fois à tous ces gens obtus
Quel genre d'hommes et de femmes nous voulons voir figurer sur les panneaux? Des personnes simples, des gens ordinaires, de modestes millionnaires. Quoi? De modestes personnes, des gens moyens avec un air convenable. Vous avez compris? Merci, ça. De rien. Oui, mais alors, il faut toujours commencer à se Madame Hébette, ce n'est pas chez elle. Ah, bonjour. Je peux vous être utile? Ah, mais peut-être bien. Qui êtes-vous? Je ne pense pas que ça vous regarde, mais je suis une voisine. Oh, très heureux. Vous pourriez me dire si elle doit revenir bientôt? Ah, ça, je ne sais pas. Elle est allée en ville pour chercher son mari. Son mari? Bah, oui, son mari. Il habite ici avec elle, comme tous les gens mariés, figurez-vous. Oui, eh bien, écoutez, je ne sais pas qui est ce plaisantin, mais en tout cas, ce n'est pas son mari. Je vous dis que c'est son mari et je vous conseille de ne pas rôder autour de la maison, sinon j'appelle la police. Ça va, calmez-vous, je m'en vais. Je peux vous charger de faire une commission de ma part à l'heureux ménage. Vous leur direz que je repasserai ce soir et qu'ils peuvent compter sur moi pour régler cette affaire. Allô? Oh, Sam, ce que je suis contente que tu appelles. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tu plaisantes? Il voulait entrer chez Jeannette, mais comment était-il? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vu le détective privé qui essayait de pénétrer chez vous ici. Hein? Il dit que je ne suis pas mariée avec vous. Il va revenir ce soir pour régler cette affaire. Oh, Sam, j'ai peur. Mais, écoute, attends, Jeannette a peur, chérie. Je vais... oui, je vais venir dès qu'il fera nuit. Ils ne verront rien, non? Il faut que je raccroche ma femme maintenant. T'as quoi? Oh, la fausse, ma chérie, la fausse, naturellement. Je vais venir dès qu'il fera nuit. Oh, Sam, j'ai une peur affreuse. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il revient? Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous protégerai. Vous ne deviez pas rentrer chez vous avant la nuit? Oui, seulement pour dire bonjour, mais je reviendrai après. Oh, Sam, je serais désolée d'abuser de vous, mais... vous pourriez peut-être passer la nuit avec moi? Oui, ça vaudra mieux. Merci, vous êtes un ange. Alors, voyons un peu. Il ne fera pas nuit avant une heure. Comment tuer le temps? Qu'est-ce qu'on va faire? Que faites-vous d'habitude en rentrant chez vous? Oh, bien, Minnie me prépare un martini. D'accord, je vous donne un martini. Mettez-vous à votre aise. N'est-il pas normal que vous dansiez à côté de moi? Non, non, on peut danser séparé, on peut danser à deux, comme on veut. Alors? Hein, qu'est-ce que vous faites? Steak! Cha-cha-cha! Steak! Cha-cha-cha! Encore un petit peu de steak? Non. De pommes de terre, de pois? Non, j'ai vraiment plus faim. Non, oh, c'était parfait. Tiens, Minnie, quelle heure est-il? Oh, 9h. Oh. Excusez-moi. Faites attention. Merci pour le dîner, je reviendrai plus tard. À tout à l'heure. Ah, ben voilà. Chérie, je suis en retard, je te demande pardon. Bah, il a fallu que j'attende qu'il fasse nuit. Il fait nuit noire depuis 20h18. Qu'est-ce que tu as fabriqué pendant tout ce temps? Ah ben, j'ai essayé de tuer le temps, mais cela c'est difficile, tu comprends, Jeannette et moi, nous n'avons pas grand-chose de commun.
Et la musique que j'ai entendue, Finalement, elle et moi, on s'embêtait tellement qu'elle a passé deux ou trois disques, quoi, c'est tout. Et puis après, elle a fait le dîner. Le dîner? Ouais. Oh, Sam, ne me dis pas que tu as dîné pendant que je me squintais à faire la cuisine. Mais c'est elle qui a dîné, elle s'est fait cuire je ne sais pas quoi, moi, mais moi, je meurs de faim, chérie. Ah, bon, alors ça va. Tiens, assieds-toi, j'ai fait des petits pains. Légèrement brûlée, on dirait, non? Pas évidemment, ça fait une heure qu'ils sont dans le four. Tiens, je t'ai fait le plat que tu adores, mon ange. Des pâtes au gratin. T'as pas lésiné sur le parmesan, je dois dire. C'est comme ça que tu l'aimes, hein? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le gratin, tu aimes ça, hein? J'en ai assez, là. Hop. Tu es sûr que tu n'en veux pas encore? Non, merci. Faut pas abuser. Ah. Tu crois vraiment qu'on peut accepter? Ouais. $1 million que j'allais vous offrir. Enfin, tu ne te sentiras pas gênée. Un million, c'est un million, mais elle en a 25. Un million, c'est rien pour elle. Oui, mais je veux dire, nous sommes assis là, dans la cuisine, en train de dîner, et tout d'un coup, sans rien faire pour ça, il nous tombe $1 million. Oui, je sais, mais elle insiste. Les avocats ont dit que c'était légalement à elle. Et en somme, nous essayons de la tirer d'embarras. Ils lui font tellement de complications. Et d'ailleurs, je ne suis pas réellement son mari. Non, c'est une question technique. Et puis, rappelle-toi tout ce qui te fait envie. Par exemple, un manteau de vison. Oui. Non, c'est une chose trop fantastique. Je n'ose pas y penser. Minnie, délicieux. Merci. Ah, excuse-moi, chérie. Allô? Ah oui, Jeannette? Oui. Bon, d'accord, je te l'envoie tout de suite. Au revoir. C'est Jeannette, elle recommence à avoir peur. Tiens, voilà ta brosse à dents, ton rasoir, tes chaussettes et une chemise propre. Et surtout, si cet homme essaye de revenir, fais bien attention, elle ne te bat pas. Mais oui, ne t'inquiète pas, elle ne me fait pas peur. Je sais, mais je te demande d'être prudent. Oui. Au revoir, Minnie. Ça fait tout de même un drôle d'effet. Je t'embrasse pour te dire au revoir et tu vas en face pour passer la nuit avec une autre femme. Oh. Une femme séduisante avec ça. Fais attention. Non, mais je te l'ai déjà dit, j'ai absolument pas peur de lui. Mais c'est pas de lui que je parle, c'est d'elle. Oh, chérie, mais voyons, c'est ta meilleure amie. Je sais, je devrais pas dire ça. Bon, alors, tais-toi. Au revoir, chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. N'oublie pas de dormir sur le côté gauche pour ne pas ronfler. Sur le côté, oui. Bonne nuit. Bonsoir, Minnie. Merci. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien, c'est... Excusez. Fermez la porte à clé. Sam, je vous ai préparé un lit ici. Vous croyez ça vous ira? Oui, parfait, merci. Qu'est-ce que nous ferons s'il veut rentrer chez moi? Ben voyons, vous n'avez pas à vous en faire. Je suis là pour ça, non? Très bien. Voilà un pyjama qui appartenait à mon mari. Et des serviettes. Le bain, c'est par ici. Si vous avez besoin d'autre chose, faites comme chez vous. Et vous savez, je vous remercie encore. Vous êtes l'homme le plus gentil que je connais. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Dormez bien. Merci. C'est pas étonnant que ce mariage n'ait pas tenu. Ah.
la faute à Minnie. Elle m'a dit, fais attention. C'est une insulte directe. Fais attention. Tout le monde sait bien quel homme je suis, non? On sait bien que je suis le modèle des pères de famille. Je me demande pourquoi elle a laissé la porte ouverte. Où vas-tu? Tu ne peux pas comprendre ces choses-là, Sam. Alors allonge-toi et reste un homme vertueux. Vous ne pouvez pas dormir. Non. Je ne sais pas ce que j'ai, Sam. Vous ne savez pas? Non. Moi, je le sais. Et vous aussi. Non, Sam, je ne le sais pas, non. Si. Oh, oh, je ne sais pas, non, 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 non. Non! T'es vergonné! Non! Non, c'est pas vrai. Non, 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 moi, je suis un homme correct, un homme correct, un honorable père de famille. Non. Oh. Elle est étendue dans son lit et elle croit que j'ai pénétré chez elle pour le. Oh! Non, non, il faut que j'aille lui dire qu'elle n'a absolument rien à craindre. Je ne ferai jamais une chose pareille. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter, non. Jeannette! Il faut que vous sachiez que je n'essaierai jamais d'entrer ici au milieu de la nuit pour abuser lâchement de la situation. Mais comment? Et même si j'en avais le désir, ce qui n'est pas le cas. Non, je le sais bien, monsieur, mais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause d'une accusation de Minnie. Eh bien, alors, j'expliquerai, mine, vous êtes un parfait gentleman de tout ce que... Oh, je vous remercie. Oh. Merci. Sam, Sam, c'est l'homme. Oh, Sam, oh, Sam. Méfiez-vous. Oh, c'est mon mari, il le ferait. Oh, vous savez pas ça. Oui.
Tu me dire qu'est-ce que c'est que cet individu? Oh, je suis désolé. Je voulais rendre service. Rendre service? Parfaitement, il me rend service. Pourquoi qu'il te rend service? Drôle de façon de lui rendre service. Ouais. Vous êtes en pyjama, hein? Et toi, tu es en chemise de nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, c'est une insulte absolument abjecte. Une calomnie. Et tu vas présenter des excuses immédiatement. Présente des excuses? Oui. Sans blague, j'arrive au milieu de la nuit et qu'est-ce que je vois? Une espèce de petit rigolo en pyjama avec ma femme en chemise de nuit. Bien sûr, je suis en chemise de nuit. Comment veux-tu que je m'habille au milieu de la nuit? En montant de visant? Ça vaudrait sûrement mieux. Toute seule avec cet abruti dans cette pelure fluorescente qui lui sert de pyjama. C'est entièrement ta faute s'il a été obligé de venir ici. Comment ma faute? Oui. Je lui ai prêté l'ancien pyjama à toi que tu mettais jamais. Quoi? Mais c'est à moi ce pyjama? Oui. Ça y est, je le reconnais. C'est un des pyjamas que tu m'as acheté quand nous sommes allés au carnaval de Rio. Et maintenant, tu le donnes à ton gigolo. Oh, inutile de faire du sentiment à cause d'un malheureux pyjama. Et puis, au fait, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu dans la journée pour te parler. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu n'étais pas là. Pourquoi tu n'as pas attendu? Parce que cette stupide hystérique qui habite juste à côté m'a menacé d'appeler la police. Non, ne dites pas que ma femme est stupide, hein? Votre femme? Oui, c'est sa femme. Et c'est aussi ma meilleure amie. Et elle a eu l'extrême gentillesse de me prêter son mari pour que j'aie l'air d'être heureuse en ménage. Ce qui m'est jamais arrivé quand j'étais avec toi. Oui, oui, attendez, laissez-moi essayer de vous expliquer. Voilà. Ma femme a consenti à me prêter, si je puis dire, à Jeannette, mais seulement pour remplir les conditions exigées par son grand-père pour qu'elle touche l'héritage. 25 millions de dollars. 25 millions de dollars? Oui. Et ne fais pas semblant de ne pas le savoir. Oh, non, je... Oh, je commence à comprendre pourquoi tu te montrais tout d'un coup comme un diable qui sort de sa boîte. Oh, tu es un misérable gripsou, une sordide crapule. Oh, mais non, écoute, Jeannette. Non. Oh, Jeannette, je n'ai pas... Mais Jeannette, tu trompes, je te jure. Oui, je me trompe, bien sûr. Jeannette, je te jure que je ne connaissais pas l'existence de cet héritage avant d'entrer ici. Ah. Mais ce n'était pas l'argent que je venais chercher, c'était toi. Non, sors d'ici tout de suite, sors. Non, 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 pas question. Si tu crois que je vais partir en pleine nuit en laissant ma femme en chemise de nuit avec ce monsieur dans un pyjama qui est à moi, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu sors ta rengaine de pyjama une seule fois de plus, je crie au secours. Et en plus, je ne suis pas ta femme, va-t'en. Oh, tu veux rire? Je ne partirai pas. Très bien. Sam? Oui? Mettez-les à la porte. Oui, c'est ça. Venez, pyjama. Mettez-moi à la porte maintenant que vous ne pouvez pas me prendre en traître. Je vous attends. Venez. Oh, et puis arrangez vos affaires personnelles entre vous, hein. Ce ne sont pas mes oignons. Moi, je vais retrouver ma maison et mon lit personnel. Ah non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, non. Le détective ne bouge pas de sa voiture et il faut qu'il vous voie sortir d'ici demain matin. Howard peut passer la nuit dans un fauteuil du jardin. Oh, je vous en prie, restez. Je vous le demande encore pour cette fois seulement. Dans une heure à peine, le jour sera levé. Ne partez pas, Sam. Je vous en prie, restez jusqu'au matin. Faites-le pour moi. Sam. Hey, pajamas. Oh. Oh. You awake? Oh. Old Jan was really mad out there in the kitchen, wasn't she? Oh. All that yelling and screaming. Sure gave me a nostalgic feeling. Oh, almost like we were still married. You know, some of the happiest days of my life were spent fighting with that little girl. Please, if you insist on clumping down memory lane, would you do it, please, more quietly? When I say fights, I don't just mean arguments. I mean, knockdown, drag-out fights. Why, she's got a left hook. It's beautiful. I got a spot right here on my arm. She used to nail me 3 out of 5 times. You through? Look, I don't know about you, but I have to get up in the morning and go to work. Yeah, yeah, I know. So do I. Oh, good, good. Well, then why don't you just get out of here now while it's still dark, huh? Where am I supposed to go? Well, what you do is you sneak across to my patio, see? You go to sleep in a nice, damp chair that I've got over there. And you wait until morning. I'm going to call up my wife. I'm going to explain this whole ridiculous thing to her. She'll let you in the back door, and then you go out the front door, you see, and the fella in the truck out there will think that you live there, and you were off on a business trip for a couple of days a month. That's the best you can suggest. Now, did I wait outside on... Well, I wouldn't suggest you wait inside. A perfect stranger with my wife, thank you. Forget it. All right, good. You're going to explain it to the fellow in the truck when we both leave the same house tomorrow morning. Because $15 million down the drain. Explain it. Yeah, I guess you're right. You know, it's going to be cold out there on that patio.
Why don't you take a blanket? Oh, thanks a lot. Encore vous. Écoutez, je croyais vous avoir dit que la prochaine fois qu'on viendrait, j'appellerai la police. Je suis Howard et Betts. Je suis le mari de Jeannette. Je viens de chez elle. Vous êtes le mari? Oui, le mari de Jeannette. Oh, je vous demande pardon, j'avais cru. Oui. Mais entrez, venez prendre un café. J'ai téléphoné à Minnie. Howard veut que vous le conduisez à son travail en voiture. Ah oui? Oui. Allons maintenant, mangez vos toasts. Vous allez vous mettre en retard. Non, non, j'ai pas faim. Ne fixez donc pas tout le temps cette fenêtre. Minnie ne craint rien. Oui, bien sûr, je le sais. Je ne la fixais pas, je jetais un coup d'œil. Oh, un coup d'œil. Il est plutôt assez beau garçon. Oui, il est assez beau garçon. Mais tout en surface. En surface, oui. Oui, c'est une beauté de surface. Ouais. Il n'y a sûrement aucune profondeur chez cet homme. Non, aucune profondeur. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas le genre de Minnie. Non, ce n'est pas du tout le genre de Minnie. Est-ce que vous êtes drôle? Pas une femme, c'est un perroquet. Et puis, j'ai pas faim. Off. Allons, Sam. Jeannette. Au revoir, mon chéri, et bonne chance pour ton travail. Merci, chérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à ce soir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Attendez un peu. Dites, mon vieux, il faudra que je rentre avec vous. Alors, prenez-moi au carrefour de Montgomery Post à 5 heures. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça ne vous dérangerait pas de frapper un peu la portière moins fort? Vous ne m'apprendrez pas comment je dois taper la portière de ma voiture, non? De votre voiture? Oui, je l'ai payée de ma poche et je taperai la portière si ça me fait plaisir. Ça va, ne vous énervez pas. Attendez, dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme chemise, là? Oui, c'est votre chemise. Et c'est votre caleçon, et c'est votre gilet de corps, et ce sont les belles chaussettes de fil que votre mère vous a rapportées de France. Minnie est complètement dingue. Ma chérie, tu n'avais pas besoin de lui donner mes sous-vêtements, ma belle chemise et mes belles chaussettes. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui donne? Le pauvre était tout transi à force d'avoir attendu devant la maison. Et il avait le moral à zéro. Tu sais comme ça vous ravigote de mettre du linge propre après la douche. Ah, il a eu droit aussi à la douche? Mais bien sûr. Tu ne t'es pas douché, toi, chez Jeannette? Ah, figure-toi que non, 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 je ne me suis pas douché chez Jeannette. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour un obsédé sexuel? Oh, Sam, on pourrait croire que tu es jaloux autant que tu prends. Il n'y a pas de raison, c'est un garçon charmant. Il est très gentil, généreux et avec ça très beau. Ah, il est très beau, charmant. Il n'a pas plus de caractère dans le visage qu'un œuf de série. Un œuf ordinaire sorti tout droit de chez Nürtlinger. Oh, Sam, tu es réellement jaloux, c'est merveilleux. Ah, je trouve que ça n'a rien de mal en bas. Excuse-moi, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils sont en plein imbroglio, les autres en bas. Pourquoi? Ils croient que ta fille, la fille est Minnie. Ta fille, quelle fille? La fille que tu serrais contre toi et que tu embrassais. Chut.
celle qui était avec toi dans la rue et que tu embrassais. Burke se figure que c'est ta femme. Je t'en prie, calme-toi, ça fait partie d'un plan. N'essaie pas de comprendre, je t'expliquerai tout ça plus tard. Mais ça va faire un malheur si nous regardons. Je t'en supplie, tais-toi et ne m'embête pas. Maintenant, je t'en prie, fais-moi confiance. Je sais ce que je dois faire, je suis assez grand. Au revoir. Ah, très bien. J'y comprends rien. Si c'est ce que tu veux, ça te regarde. Ferme-la, la porte. Ah, bon. Excuse-moi, chérie, j'étais en train de parler à tête de bouc, enfin, Harold. Sa camionnette est encore là. Oh, mais j'en suis aussi embêté que toi, tu le sais, chérie. Enfin, demain, j'espère que tout ce pastis s'arrangera. Et je t'aime aussi, je suis désolé. Ayant l'air naturel, j'ai l'impression que quelqu'un nous guette. Mais oui. Ah, c'est chic de retrouver sa maison. Ouais. Je me demande ce que ma chère petite femme a fait pour le dîner ce soir. Sam, souvenez-vous que vous n'êtes pas un banlieusard ordinaire qui va retrouver sa femme. Vous allez retrouver la mienne, souvenez-vous-en. Oui, et c'est la même chose pour vous, mon cher. Alors vous aussi, souvenez-vous-en. Dites-moi, avez-vous fini de vous pavaner dans mon linge en me menaçant? Bon, alors, on se verra plus tard, mon cher. Et merci de m'avoir amené. Il n'y a pas de quoi. Après 3 années à l'école de droit, le doyen ne me connaissait même pas. Ah, il aurait dû vous remarquer. Ah, j'étais tout absent. Alors mon copain se retourne vers lui, l'air furieux, et lui dit, ne tripotez pas ma bouteille de gin. Elle est pas bonne, mon histoire? Je crois que c'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Et vous avez une manière de la raconter. Oui, vous trouvez? Mais vous n'avez jamais eu l'idée d'écrire des contes? Des contes, moi? Non. Ah, écrire des contes? Ah ouais, d'écrire quelque chose? Il n'a jamais eu une seule idée originale dans toute sa vie. Oui, je le crois facilement. Ce qui m'épate chez lui, c'est la perruque qu'il se met. Il se met bien de perruque, non? Non, ce sont ses cheveux à lui. Oh. Alors il va sûrement chez un coiffeur pour dames. C'est pas possible qu'il aille chez un autre. Une pareille tignasse sorte chez un coiffeur pour dames. Il aime se bichonner. Il faut le traîner pour qu'il se regarde dans un miroir. Oh, un tango! J'adore le tango! Nous le dansons? Avec grand plaisir! Donc, je me demandais ce que c'est que ce tas de vieux détritus. C'est des choses que vous avez oublié de jeter? Oh non, c'est une création de Sam. Il adore s'occuper d'art. D'art? Oui. C'est bien la première fois que je vois une pareille loufoquerie. Comment fait-on? On appuie là-dessus? Oui, c'est ça. Oh, je vous interdis d'y toucher! Attention à la camionnette! Oh! Arrête! 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 Mais je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Hé, hey, il a l'air sensible. Très, c'est un créateur. Ah. Ah, je ne sais pas pourquoi je me mets dans cette étape, pour cette espèce de m'as-tu vu. Je connais votre histoire, c'est typique. Typique. Il vous a fait ça à l'esbrouf, c'est le beau danseur, c'est le baratineur de charme, et vous étiez jeune, naïve, et vous trouviez que c'était un homme très bien parce qu'il se conduisait correctement. Vous l'avez épousé, vous avez vu ce qu'il valait. Le brave petit gars, le chérubin à sa mère, en attendant de vous afficeler et emballer, le tour est joué. Voilà où mène la liberté qu'ont les sophies. Ce n'est pas le chérubin à sa mère, ce serait même tout le contraire. Vous avez des disques de mambo? Oui, et de cha-cha. Non, de cha-cha aussi? Oh, oui, c'est formidable. Et de conga. Ah, oh, épatant. Vous dansez la conga? Vous n'allez pas le croire, mais il y a 2 ans, avec Sam, nous avons gagné un concours de Charleston. Oh, excusez-moi. Allô? Minnie, est-ce que tout va bien? Bonjour, chérie. Bien sûr que tout va bien, pourquoi me le demandes-tu? Parce que je m'ennuie de toi, qu'est-ce que tu fais? Ah bon, on va jouer aux cartes. Oh, tu sais, il est vraiment charmant, Howard. Ah oui, ben, je m'en doute, mais à quel jeu de cartes allez-vous jouer? On va faire un bridge à deux. Écoute, le bridge a été fait pour être joué à 4. On va vous rejoindre et comme ça, on fera un bridge tous les 4. Eh ben, je sais pas, moi, il faut que je voie avec Howard parce qu'il a eu une journée terrible aujourd'hui. Écoute, ne quitte pas, je vais voir. Il faut qu'elle voie ce qu'Howard en pense. Une journée terrible. Oui, d'accord. S'il ne reste pas trop tard, j'ai une journée très chargée demain. Bon. Sam? Écoute, mon chéri, alors voilà, il est d'accord, mais si vous venez tout de suite, parce qu'il ne veut pas se coucher trop tard. Oh, mais tu sais, si vraiment Howard est fatigué, je ne voudrais pas que ça l'embête. Tu es sûr que nous pouvons y aller, oui? Oui, oui, ce sera très bien. Alors vous pouvez venir, mais pas trop longtemps. Très bien, parfait, à tout de suite. À tout de suite.
Oh non, non, elle est complètement dingue. Ah, ça va. Vous avez vu ça, Minnie? Nous ne serions jamais arrivés à faire notre contrat s'il ne s'était pas défaussé de la mauvaise carte. Vous l'avez déjà fait remarquer tout à l'heure. C'est pas mal, Howard. Ils nous doivent $1.42. Alors maintenant, les comptes étant liquidés, on pourrait peut-être boire un verre, vous ne croyez pas? Sam, qu'est-ce que je vous sers? Je vais me servir. Ah, non, non, ne m'empêchez pas de remplir mes devoirs d'hôte. Oh, je crois que vous... je peux aller chercher moi-même à boire dans ma maison. Alors ne discutez pas, je vais vous servir, Jeannette. Non, je n'ai envie de rien, merci. Howard, scotch? Avec du soda? Non, à l'eau plate. Ah, pardon. Je t'aide, ma chérie. Oui, c'est ça. Sam, tu veux aller chercher encore quelques cubes de glace? Oui. S'il te plaît. Si jamais il arrive malheur à leur ménage, je te considérerai personnellement responsable. Tu as bien compris? Moi? Oui, toi. Oh, now look, you're the one who started this whole nutty thing. You are the one who came in bursting in the night, in the middle of the night. Oh, boy, I always knew how selfish and totally self-centered you were. But I never thought you'd stoop to endangering a beautiful marriage like the Bissells out of pure greed. Greed? Yeah. How dare you talk to me that way? How dare? How dare? You said, how dare you? Now you're beginning to act like my old gal again. Come on, honey, let's go a couple of rounds, sweetheart. Oh, no. Oh, no, you don't treat me like that. Il t'a pas encore fait la cour? Oh. Enfin, te l'a-t-il fait ou non? Écoute, non, 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 mais t'as pas à faire cet œil, c'est pas une question tellement ridicule. Pour ta gouverne personnelle, il est connu pour être un hypersexué. Connu? Bon, enfin, je ne l'ai pas lu dans les petites annonces, non, mais c'est sa femme qui me l'a dit. Ça m'a écœuré quand elle m'a dit ça. Oh. C'est un dégoûtant. Est-ce que tu t'imagines quelle vie ça doit être d'être mariée à un pareil coco? Elle est normale sexuellement. Ah bon? C'est toi qui me l'as dit. Je crois que tu avais raison après notre mariage quand tu m'as dit qu'on était... Eh ben quoi, qu'est-ce qui te fait rire? Oh, t'es trop mignon. Tu me manques. Oh, tu me manques aussi. Penses-tu que cette histoire va bientôt finir? Je ne sais pas, je pense que oui. N'oublie pas qu'il s'agit $1,000,000. Oui. Un voyage autour du monde, des vacances interminables, la sécurité pour les enfants. Et ne plus voir Vernier, ni Burke, ni Arène. Tu sais ce qui me manque le plus? Quoi? Mes pieds sont toujours froids. Bissell, si vous cherchez le scotch, il est dans l'armoire. Eh oui, nous l'avons trouvé, finalement. Merci. Howard, écoutez, mon petit, je voudrais vous parler une seconde, s'il vous plaît. Bien sûr. Howard. Howard, je voudrais passer la nuit dans ma vraie maison, avec ma vraie femme. Mais voilà une excellente idée. Moi aussi, j'ai envie de retrouver ma femme. Je tiens à passer un petit moment avec Jeannette. Il y a des tas de choses que je voudrais bien mettre au point. Bon, alors c'est convenu. D'accord. Oui, mais ça ne marche pas. Attention, on a oublié le type de la camionnette. Et c'est justement la j'ai tout combiné. Comment ça? J'entrerai dans la maison avec Jeannette et je reviendrai sur la pelouse. J'allumerai une cigarette de façon que vous sachiez que je suis là. Et vous, vous ferez exactement la même chose pour que je sache que vous êtes là aussi. Une cigarette? Et une fois que les femmes seront couchées, oui, que toutes les lumières seront éteintes, alors je ferai un signal, je sifflerai. Ah, and that is our cue to run back and forth, see you? So you're a genius. Oh, one thing I think we should remember is when you run, crouch very low, you see, and that way if he sees us, he won't see us. No, just wait a minute. Let's just drop the advice, huh? I happen to have been a Marine Raider. I can take care of myself. Oh, no. Well, I was in the OSS. I think I know a little bit more about this. Now, wait a minute. Wait a minute, Marine Shot. Wait a minute. Let me tell you about the Marines, huh? Look, we were the first to be recruited. I don't want to... Let's not quibble. We're going to spend the night with our wives. Yeah. You know, you're not such a bad guy after all, Sam. Yeah, neither are you, Howie. What's so funny? Pourquoi riez-vous tous les deux dans votre barbe? Pour rien. Rien du tout. Buvons à la santé des deux anciens des commandos et au succès de leur mission nocturne à l'opération Nuit Blanche. L'opération Nuit Blanche.
Des canards se sont sauvés. Allez. Hey. Allons-y. Michel, le canard. Oh. Oh. La machine, bah. Oh, c'est malheureux ce que j'ai fait. Il s'est dit à l'ancien, les commandos, non. Mais c'est du canard, c'est pas la mienne, non. Chut, vous allez réveiller tout le monde. Oh, bah, si tu figures qu'il y a encore quelqu'un qui dort après un chahut pareil, où sont mes lunettes? Oh. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe par là, Sam? Mais qu'est-ce que ça peut. Oh, salut, Alex. C'est rien, je suis désolé de cet incident. Bonsoir, Alex. Je suis sûr que le détective a tout. Chut, mon détective. Vous devez rentrer maintenant, Sam, venez. Oh, ça a tout fichu par terre. En tout cas, tu as essayé, mon chéri. Oui, bonsoir, Minnie. Bonsoir, Sam. Bonsoir, madame Ebbett. Bonsoir, monsieur Bissell. Bonsoir, monsieur et madame Ebbett. Retourne à la maison. Retourne à la maison. À la maison. Ah. Bonjour, madame Bissell. Bonjour, monsieur Palma. Bonjour. Oh, bonjour, Minnie. Bonjour, Sam. Bonjour, Minnie. Ah, bonjour, monsieur Bissell. Oh, puis débrouillez-vous entre vous. Nous demandons à votre honneur d'ajourner à huitaine la désignation des personnes ayant droit à l'héritage. Pourquoi ? Mes clients se sont renseignés sur ces personnes en les faisant observer par un détective privé pendant quelques jours et... Oui, nous l'avons vu devant chez nous avec sa camionnette. Il ne nous a pas trompé une minute. Il s'est passé des choses très étranges dans cette maison ces temps-ci. Si ce ne sont pas des faits en rapport direct avec les droits des plaignants à l'héritage, ça ne m'intéresse pas, monsieur. C'est qu'il se passe des choses extrêmement louches dans cette maison. Nous demandons seulement un ajournement à huitaine. Refusé. Mais, votre honneur, c'est indispensable pour mes clients. J'ai dit refusé. Vous savez bien qu'on n'annule pas un testament en bonne et due forme sur la foi de je ne sais quel commérage incontrôlable. Et d'autre part, il est de notoriété publique que cet homme et cette femme sont légitimement mariés. Dans ces conditions, le jugement sur la dévolution de la succession Lagerlof sera prononcé demain matin par le tribunal des successions, à 9h30. Je suis très heureux de vous avoir vu, monsieur et madame Ebbett. Oh, c'est trop non, c'est vous qui avez été votre honneur, j'ai une certaine... Non, non, je vous en prie, puisque monsieur le juge a l'assuré... Nous avons gagné. Ça, je suis riche, je vais acheter tout ce qui est possible. Ah, vous le pouvez avec 25 millions de dollars. Et là-dessus, il y a 1 million qui vous revient à vous, et Minnie. C'est fou. Je vous l'avais promis. Nous sommes millionnaires. Oui. C'est prodigieux. Hé, hey, tu n'as pas encore vu Burke ce matin? Non, non, j'arrive un instant, j'avais affaire dehors. Ah, toutes mes félicitations, sacré vénard. Sacré vénard, pourquoi? Eh bien, le père Nürnberger est en extase devant tes panneaux de publicité. De quel panneau tu parles? Mais de quel panneau je parle? Non, mais alors, toi, tu vis dans un autre monde. Oh, ce panneau-là? Ben oui, ces panneaux-là. Non, mais tu vas rendre les gens encore plus cinglés dans cette maison si tu continues. Mais voyez, je ne peux pas tout faire à la fois. Ces jours-ci, j'ai eu quelques petits problèmes personnels et je suis complètement oublié les panneaux publicitaires de ça Nürnberger. Ça ne fait rien parce que mais Burke et Nürnberger n'arrêtent pas de se congratuler tellement ça leur plaît. Ils les trouvent formidables. Eh ben, c'est une très bonne chose. Oui, une excellente chose. J'ai l'impression que tu n'as pas encore vu ces panneaux. Mais quoi? Quoi? Quel panneau? Non, j'ai pas eu le temps seulement de passer à la... Oui, je ne saurais trop te recommander d'aller jeter un coup d'œil dessus. Tu seras toi-même épaté. Pourquoi ils sont finis? Finis? Non, mais ils sont déjà en place. Il y en a dans tout San Francisco. Eh ben, oh, parfait, écoute, parfait. Sam, mon vieux frère, écoute-moi. Je sais que ce n'est pas mes oignons, mais sais-tu quel monsieur et madame américain standard ils ont pris pour symboliser le ménage idéal? Oui, dis-moi. Si tu ne devines pas, je vais te mettre sur la voie. Ce n'est pas le président et madame Lindley Johnson. Non, non, je m'en doute. Qui est-ce? C'est tout ça. Sam, enfin, nous vous attendions impatiemment, Sam. Venez, 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 venez. Il y a un monsieur qui vous réclame à corps et à cri. Sam, regardez, vous voyez qui est là. Je suis heureux, monsieur. Vous avez eu le courage de vous opposer à ce que je voulais et de vous dresser contre moi en disant que mes idées n'étaient pas bonnes. Eh bien, monsieur, je vous tire mon chapeau et je reconnais que vous aviez raison. Vous avez touché la note juste pour présenter notre organisation, la santé et la salubrité morale. Mes félicitations, monsieur. Vous êtes trop aimable.
À vrai dire, j'aurais voulu... Je m'apprêtais justement à vous parler à tous les deux parce que je vais partir. Partir? Vous voulez partir? Question d'argent, vous voulez gagner plus? Ah non, 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 c'est pas pour ça. Non seulement parce que je viens d'avoir une bonne aubaine, un héritage. Alors je pense que je vais me retirer. Vous retirez? Je ne vous y autorise pas. Vous êtes mon homme, vous êtes mon directeur de budget de publicité. Parlez-lui, Burke. Sam, c'est une mauvaise plaisanterie. Voyons, vous ne pouvez pas quitter cette extraordinaire, cette passionnante affaire que vous ne pouvez cesser de respirer. Oui, c'est une affaire très intéressante, mais avec tout l'argent que j'ai. L'argent, mais l'argent n'est pas tout, Sam. Venez voir, je vous en prie. Regardez, regardez ça. Regardez cette chose inouïe, cet admirable panneau. Une splendeur. Je donnerais n'importe quoi au monde, n'importe quelle fortune, si j'étais à votre place pour pouvoir dire c'est moi, c'est Sam Bissell qui a créé cette œuvre merveilleuse, cette chose pure, ce symbole de la droiture. C'est très excitant de voir ça pendu là-haut, mais d'un autre côté, vous savez, $1 million, c'est un gros morceau. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a mis ce panneau là-bas? Vous trouvez qu'il n'est pas bien placé? Oh non! C'est pas de nos emplacements, il y en a 20. Oh non, 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 c'est effrayant, ça va tout gâcher, monsieur Burke. Il faut enlever ces panneaux, il faut les descendre tous. Sam! Ça va? Ah, je regrette, je n'ai pas le temps maintenant. Il faut que je vous parle, c'est très important. Oh non, 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 je peux pas vous parler maintenant, je suis trop pressé, au revoir. Non, mais attendez, Sam, attendez! Sam, où allez-vous? Sam, ne partez-vous pas! Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui a pris? Ai-je dit quelque chose qui l'a offensé? Ne vous sauvez pas! Ce n'est pas en vous sauvant que vous arrangerez vos affaires! Arrêtez! Hé, là-bas, ne faites pas tant de bruit! Moteur! By the hour, by the day, by the week, or any way, just let her put you in the driver's seat. Ça, c'est du vrai café. Non! Oh, non! Vous auriez bien de prendre le temps de m'écouter, monsieur Ebbets. Je vous le dis dans votre intérêt. Monsieur Ebbets? Vous ne me connaissez pas, mais je peux vous dire que je vous connais avec vos manières de vous glisser d'une maison dans l'autre. Reynold Niffler, détective privé. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai pas le temps de... C'est fâcheux d'être mêlé à un scandale. J'ai observé votre petit manège depuis mardi soir. Mon Dieu, quelle histoire. Des alliés est venus toutes les nuits, oh. Très heureux de vous connaître. Arrêtez! Arrêtez! Quand on a commis des outrages aux mœurs, on ne s'échappe pas si facilement. Comment, des outrages aux mœurs? Pourquoi ça? Je vais vous le dire en 2 minutes. Reynold Niffler. Oui, vous m'avez déjà donné votre carte. Niffler, détective privé. Beaucoup de gens se font une fausse idée des détectives privés. Il se trouve que je suis diplômé de l'université, licence de physique avec des connaissances solides en droit commercial et administratif. C'est très intéressant. J'ai aussi fait des études d'art dramatique, ce qui vous explique le côté ingénieux de la machinerie de ma camionnette. Vous avez vu ma camionnette camouflée en aspirateur, je pense. J'ai aussi une camionnette de laitier et un camion citerne. La citerne, c'est pour les missions importantes. On s'y met à trois. On peut s'en servir pendant tout un mois sans rentrer une seule fois à la base. Ah, c'est prodigieux, prodigieux. Oui. Nous pourrions en venir à ce qui nous intéresse. Voilà. Je travaille pour les parents de Madame Ebbets, ses cousins, Jacques et Irène. J'ai commencé à surveiller votre maison jeudi soir. Je vous ai vu vous glisser d'une maison à l'autre. Coca, c'est très vilain, ça. Oh, vous m'avez vu, moi? Oui, et je vous ai eu au passage avec mon appareil spécial à rayons infrarouges. Tenez, regardez ces merveilles. Ah, c'est pas mal, un chef-d'œuvre, hein? C'est pas ça, ça. Oh. Oui, vous m'avez eu. Ah oui, je comprends que je vous ai eu. Et je ne vous ai pas raté. Ces photos sont parfaitement nettes. Elles prouvent, pour quelqu'un qui est du métier, que c'était bien vous qui alliez faire vos frasques, monsieur Ebbets. C'est toujours la vieille histoire. Un mari volage qui s'embête avec une brune qui est sa femme et qui va subrepticement voir la friolante dame blonde qui habite juste à côté. Il y avait probablement plusieurs mois que ce petit jeu durait. Vous voulez dire que ces allées et venues? Mais vous n'alliez plus chez elle ces dernières nuits. Et vous savez pourquoi? Dites, pourquoi? Bissell était revenu, probablement après avoir fait un voyage d'affaires. Oui, alors moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, je serais heureux d'avoir un petit entretien particulier avec vous. Je crois que le meilleur moyen pour ça, c'est de faire un tour en voiture. Allez-y, montez.
C'est l'endroit le plus commode pour parler quand on a des affaires délicates à régler. Il n'y a pas de micro caché et on ne peut pas braquer d'appareil électronique dessus pendant qu'on roule. Si ça ne vous dérange pas, j'habite dans la 29e rue au 135. Bon, alors les photos sont à vendre, monsieur Ebbets, $500 et c'est pas cher. Après tout, vous ne vous seriez pas glissé dans le noir si vous n'aviez pas tenu à vous cacher. Je vous retrouverai demain soir au même endroit. J'imagine qu'elle vaudrait encore beaucoup plus cher si je n'étais pas Howard Ebbets. Hein? Ah, bien sûr. Elle vaudrait des millions pour les cousins et ce serait une magnifique opération pour moi. Oh, j'aime assez conduire sportivement dans les virages de temps en temps. C'est excellent. Ça stimule l'adrénaline. Ça vous fera du bien. Mais vous êtes piqué. Vous allez nous tuer. Ici. Non, vous plaisantez, je vous dépose à votre porte. Ah, voilà une rue amusante. Vous aimez quand ça tourne? Non, j'ai horreur de ça. Non, arrêtez, laissez-moi quelque part. Ça descend encore un peu plus, là. Oh, non, je ne me sens pas bien. Écoutez, je vous en prie, laissez-moi n'importe où ici. Hein? Je vous assure, je sens que j'ai envie de marcher. Je n'habite qu'à 10 km. Oh, vous voulez rire? Laissez-moi! Et voilà, on est arrivé. Vous pouvez remonter en surface. Vous prenez souvent votre voiture? Tous les jours? Eh ben, il doit y avoir là-haut quelqu'un qui a un sacré béguin pour vous. Au revoir! Oh, non, ne le prends pas si tu veux, mais j'ai rencontré cette espèce de cinglé de détective. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais il y a des panneaux comment dans toute la ville. Moi, j'en ai en robe. Il n'y a pas une minute à perdre. Sam, allez, viens vite. Mais Sam, tu pourrais me dire de quoi? Allez, tu viens. Oh, Dieu, j'ai perdu ma chaussure. Bah, attends. Mais dépêche-toi, je t'expliquerai. Il faut qu'on voit Jeannet. Vois-tu maintenant que c'est fini et que tu vas toucher toute cette fortune? Je crois que tu avais raison. Il vaut mieux qu'on vive séparés. Je n'arriverai pas à te convaincre que je t'aime uniquement pour toi-même. Disons-nous tranquillement au revoir. Et... je te souhaite tout le bonheur possible. Au revoir. Voyons, on va parler de... Jeannet, vous êtes là? Oh, bien, une catastrophe! Je t'interdis d'entrer ici de cette façon, ici pour une chose très importante! Prenez tout ce que vous trouverez comme peinture. Tous vos pots de peinture, des pinceaux, des peintures. N'importe quelle peinture, mettez des vieux vêtements, moi je vais au garage. Je prends tout ce qu'il faut, dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qu'il y a, Minnie? Pourquoi est-ce qu'il veut de la peinture? Minnie! J'en sais rien du tout, il m'a rien dit, il m'a seulement parlé de panneaux et du détective. Oh! Comment ça, détective? Jeannette! Ah non, Jeannette, reviens! Ne mêle pas encore à ces histoires! C'est assez d'une fois! Jeannette, reviens. Il faut que je te parle.
Sam, voulez-vous au moins m'expliquer ce que vous voulez faire ? Oh, c'est terrible ! Vous ne pouvez pas savoir ! Où vous voulez aller ? Je ne comprends rien ! Mais c'est à cause de ces idioties de panneaux publicitaires qu'ils ont fait pour nous tenir guerre. Je ne sais pas où ils ont pris une photo de vous et de moi, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Quel panneau ? Il faut les défigurer avant demain matin. Les défigurer ? Pourquoi ? Tu n'es pas malade ? Tu te rends pas compte qu'ils sont convaincus que nous sommes mariés, Jeannette et moi ? Quoi ? La photo est reproduite sur les panneaux dans la ville entière. C'est affreux ! Des caractères de 3 mètres de haut, monsieur et madame Sam Bissell, blablabla, le style Nürnberger, etc. Mais si les cousins, le détective, les voient, mais nous sommes tous foutus ! Mon héritage ! Et justement, c'est pour ça, allez, dépêchons-nous. Mais de qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Je vais barbouiller les panneaux pour camoufler les visages. Non ! Si, non. C'est de la folie furieuse. Jeannette, je t'interdis d'aller endommager les panneaux de publicité. Tu vas te faire mettre en prison. Ça m'est égal. Je ne veux pas risquer de perdre mon héritage. Je m'en fiche de l'argent, on n'en a pas besoin. Oh, c'est bien ton caractère impossible. Quand on ne fait pas exactement ce que tu veux, tu refuses de donner un coup de main. Oh, mais bon sang, vous êtes tous cinglés. Et en pleine nuit encore. Allez, Minnie, il faut te changer. Hein. Tu ne peux pas venir comme ça, tiens. Tiens, mets ça. Non. Oh, on n'a pas le temps de discuter maintenant, chérie. Non, Sam, ces histoires ont déjà trop duré. Tu quittes ton emploi, tu risques de gâcher notre vie, c'est vraiment trop. C'est plus que je ne peux en supporter. Écoute, je t'en prie, ma chérie, ce sera la dernière fois. Mais pense aux millions que nous allons perdre. J'ai seulement besoin de ma maison, de mes enfants, de mon mari et d'un peu de paix et de calme. Bon, c'est très bien. Alors, reste ici. Hein. Moi, il faut que j'y aille, j'ai plus de travail, j'ai besoin de ce million. Sam. Quoi? Tu peux y aller, mais à ton retour, je ne serai plus là. Oh, Minnie, tu parles pas sérieusement, il faut que j'y aille. Sam! Est-ce que tu viens, toi, oui ou non? Bon, allez, bon. Ça sert à rien. C'est pas bon, ça. Oh, Sam! Hein? Non, mais regardez cette horrible photo qu'ils ont faite de moi. Mais je n'ai pas un visage si allongé que ça. Jeannette, vous vous admirerez une autre fois. Allez, grouillez-vous au pinceau. Oh! Oh, c'est formidable. Tu ne sais pas ce que tu manges. Vous êtes des délinquants juvéniles. We're underpaid school teachers, and I have to moonlight to feed my wife and children. Hello, good morning. She's a school teacher? girls hygiene. God bless you for the wonderful work you're doing. C'est la
dernière. Oh, je te remercie de ton aide. Tu as été splendide. Ah oui, oui, c'est moi qui ai tort. Uniquement parce que je n'ai pas voulu me mêler à l'entreprise complètement délirante de ce cinglé. C'est moi qui ai tort. Dire que c'est comme ça depuis notre mariage. Quel mariage? Nous ne sommes pas mariés. Voilà une nouvelle démonstration de ton talent remarquable pour tout présenter avec une mauvaise foi révoltante. Oh, tu déformes les choses pour faire croire que je me comporte d'une manière ridicule. Oh, aller saboter les panneaux de publicité au beau milieu de la nuit, c'est un comportement tout à fait normal. Seulement quand tu seras pensé, ne viens pas pleurer dans mon gilet pour que je t'aide. Personne ne t'a demandé de venir. Tu peux t'en aller. J'en ai bien envie. Va-t'en! Pourquoi restes-tu là, accroché à nous? Très bien, espèce de folle. Bonsoir. Et cette fois, c'est pour toujours. Bonsoir. Non, au revoir. Comment allons-nous monter là-haut, Sam? Bien, je vais louer une chambre, je monterai sur le toit par l'escalier de service. Vous m'attendrez ici, vous. Ah non! Nous avons commencé ce travail ensemble et non, nous les non, finirons non. ensemble. Si c'est un quartier mal famé, Jeannette, vous ne pouvez absolument pas entrer dans cet hôtel board. Je vais y aller tout seul, attendez-moi non, ici. Mais je... Bas, hein? Oh! Bonsoir, je voudrais une chambre. Du côté... Sud-Est. Vous avez retenu la chambre d'avance? Eh ben non, j'ai pas pu retenir. Je regrette, mais c'est complet. Mais c'est que j'ai pas... C'est que je voyage, je suis représentant de commerce, alors... Merci, mon petit Bobby. Tout va bien, ce soir? Bon, je t'en causerai demain. Je vends de la peinture, quoi, et ma voiture m'a lâché juste au coin de la rue. On est en train de la réparer, je voudrais une chambre pour, mettons, une heure ou deux heures. Pour une heure ou deux, quoi. Mais alors, fallait le dire tout de suite. Qu'est-ce qui vous envoie à Charlie? C'est Charlie qui m'envoie. Ça fait 20 dollars. Hein? 20? 20 dollars, oui. Quatrième étage, chambre 434. Prenez l'ascenseur qui est là-bas. Vous devez vous tromper de chambre, madame. Vous m'excuserez, je suis pas très présentable, non. Mais si vous... Non, 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 très peu pour moi, merci. Mais quoi, pourquoi dites-vous très peu pour... Je ne marche pas, t'as compris? J'en ai vu de toutes les couleurs, mais toi, alors tu me sidères. Et non, si tu essaies devez... de mettre de la peinture sur moi, je crie au voleur, t'entends? Non, taisez-vous. Je te jure non, que tu ferais scandale, bien d'aller te faire soigner chez les dingues. Non, mais écoutez-moi. Non, mais n'essaie pas de t'approcher de moi, je vais le dire à Bobby, il va te faire ta fête. Non, non, dis-t'en rien. Ne partez pas, arrête. Ne criez pas. Au secours.
si fort. Chut. Arrêtez. Mais taisez-vous, je vous en supplie, ne hurlez pas. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez-le. Ne criez pas si fort. Ne criez pas comme ça. Arrêtez. Arrêtez l'ascenseur. Arrêtez. Non, mais alors, t'es pas un peu marteau, espèce de vicelard. Je vais t'apprendre, moi, peinture lurée, c'est bon. Écoutez, c'est un malentendu. Vous allez les laisser tranquilles. Je vous défends de le toucher. C'est à vous, cette espèce de tordu. Oui, c'est à moi, c'est mon mari. Vous voyez bien de le boucler à double tour, parce qu'il voulait me barbouiller de peinture. Oh, ne dites pas d'absurdité. C'est mon mari, monsieur Samuel Bissell, l'un des plus grands artistes peintres qu'il y a au monde. Il espérait s'installer dans votre hôtel pour échapper à l'agitation du monde et faire de la grande peinture sans être dérangé. Non, sans blague. Bissell? C'est une célébrité? Oui. Bissell, Bissell. Mais oui, mais je connais ce nom-là. À moins que ce soit le crémier qui s'appelle comme ça. Non, si vous permettez. Ah ben, par ici, madame. Excusez-moi, je ne savais pas. Allez, on rentre. Non. Rentrez chez vous et faites mes amitiés à Minnie. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais rester là un moment. Hein? Mais pourquoi? Je vais m'occuper d'une affaire qui n'est pas terminée. Ah, bien. Bonne chance, Jeannette. Au revoir. Jeannette. Non, va-t'en. Jeannette, écoute-moi. Va-t'en. Je suis partie une fois et je n'étais pas content du tout. Moi, j'étais ravie. Je ne m'étais jamais tellement amusée de ma vie. Tu mens. Je te manquais autant que tu me manquais. Mais manquais? Tu es complètement idiot. Bon, si c'est ça que tu veux, j'ai fait ce que je pouvais. Dieu sait que j'ai essayé, mais j'en ai assez. Et cette fois, c'est fini, mais pour toujours. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Ah ouais. Je veux seulement que tu saches que je sais pourquoi tu désirais tellement me reprendre. C'est vrai? Oui, pour avoir mes 25 millions de dollars. Pas autre chose. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien entendu. Tu voulais me reprendre pour avoir mon argent. Je voulais te reprendre pour avoir ton argent? Oui. Tu as du culot. Tu as du culot d'oser dire une chose pareille. Et toi, tu as le culot d'oser me parler sur un ton pareil? Va-t'en immédiatement, va-t'en! Oh, ne t'inquiète pas, je vais m'en aller. Seulement, avant de m'en aller, tu auras une chose que tu mérites depuis longtemps et que je ne t'ai jamais donnée. Un magnifique coup de pied au derrière. Va! Tu n'oserais pas! Ah! Oh! Oh, ça alors, ça, tu me l'as pas fait. Ton papa en paradis, espèce de brute. Tu vas prendre quelque chose. Non, là, non, ici, non. Et puis. Place ton bras. Viens. Allez. Allez, allez, vas-y, vas-y. Accrochez les brochets, vas-y. Allez-vous de ski, vous regardez, vous. Ouah. Oh la boîte. Oh, tu m'as esquinté le triceps. Je suis désolée. Mon bras paralysé. Mon chéri, je regrette. Tu as très mal? Tu peux bouger les doigts? Oui, ça me fait un mal de chien, si ça peut te faire plaisir. Oui. Oui, très. Bécasse. Si vous voulez bien nous laisser, il s'agit d'une petite discussion privée. Mais je suis désolée, tu sais, je suis vraiment désolée. Bécasse, je t'aime. Vois-tu, il m'a fallu plusieurs mois pour comprendre à quel point. Je crois pas qu'on peut recommencer à zéro. Chérie, tu es là? On a fini.
Je savais pas où aller. Ça aurait été vraiment trop bête. Après avoir été mariée avec toi si longtemps, j'ai pas pu te quitter, quitter mes filles. Je suis tellement habituée à ta drôle de figure, à toutes tes idées folles. Tu m'aimes, tu le sais bien. Tu m'aimais quand j'étais un petit grouillot qui ne gagnait pas un fifrel. Alors je suis montée sur une girafe qui n'arrêtait pas de monter et descendre et j'ai vomi. Mais Gina n'a pas vomi parce qu'elle était sur un cheval. Et je suis sûre que tu ne savais pas que grand-mère enlevait ses dents pour dormir et les remettait pour se lever. Oh. Est-ce que je pourrais enlever mes dents aussi pour aller dormir quand je serai grande? La vie reprend son cours normal.